Il est 22h passées à Paris, 21h passées à Bamako et environ un an. Bienvenue dans le quartier général et bienvenue dans la maison du doute. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter cette émission ce soir en lieu et place du présentateur habituel Boukaniaré qui a eu un empêchement de dernière minute, donc il m'a demandé de le remplacer au pied levé. Et comme je ne peux que me soumettre aux ordres du rédacteur en chef de RP Média, j'ai accepté de présenter avec plaisir cette émission ce soir. Et on va évoquer la transition malienne. Donc au Mali, le 26 mars devait marquer la fin officielle de la période de transition ouverte avec le coup d'État militaire de 2020. Le colonel Assimi Goïta avait signé entre-temps le 6 juin 2022 un décret présidentiel qui rallongeait la durée de la transition malienne de 24 mois à partir du 26 mars 2022. Donc un léger report s'en est suivi, annoncé pour 6 mois concernant l'élection présidentielle qui devait se tenir en février dernier. Et donc, ce mois de mars devait marquer normalement, en tout cas selon la lecture des observateurs de la scène publique malienne, la fin de la transition malienne. En tout cas, en ce moment, ça donne lieu à beaucoup de lectures. Donc, il y a une partie des analyses qui disent que la transition devait prendre fin. Et donc, ce qui signifie que, en ce moment même, nous sommes hors cadre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte qui régit cette transition. Et il y a une autre école qui dit que la transition n'a pas de limite tant que les élections présidentielles ne sont pas organisées. Et donc, ce soir, on va analyser tout ça, on va démêler le vrai du faux et surtout semer le doute dans vos certitudes. Et pour semer ce doute dans vos certitudes, on a plusieurs personnes et on a la chance d'avoir Dr Bala Cissé, qui est le seul constitutionnaliste parmi nous, mais au-delà de Bala Cissé, on a Yamoudou Keïta, qui est un fin analyste, tout comme Aziz Santara et Toto Diarra. Et donc, ensemble, nous, on va se contenter de semer le doute parce que nous ne détenons pas la vérité. Donc, il est hors de question que nous tentons de vous vendre la vérité. Et donc, on va accueillir ensemble les consultants. On va commencer par Bala Cissé. Bonsoir, Bala. Bonsoir, Lydia. Bonsoir, Koro Yamadou. Bonsoir, Koro Aziz. Bonsoir, Koro Toto. Bonsoir, les publics. Bon débat. Merci infiniment, Bala. Bonsoir, Yamoudou Keïta. On n'entend pas Yamoudou, hein? Ouais, le micro est coupé. Merci, le micro était coupé. Bonsoir, Elidia. Bonsoir, Bala. Bonsoir, Aziz. Bonsoir, Toto. Et bonsoir, Abouka, même s'il n'est pas là. Et à tous ceux qui nous regardent, mon frère Cheikh Hassan Amadou Togo. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bon débat. Merci infiniment. Bonsoir Aziz, depuis le froid canadien, je crois savoir que la rupture n'est pas encore intervenue chez toi. Non, pas encore. Il reste encore, c'est à 19h et quelques 19h, un peu moins de 19h20 en fait. Donc, il est 17h30. Donc, bonsoir à tout le monde, tous qui nous écoutent. Une pensée spéciale pour tous les étrangers qui vivent au Mali et plus spécifiquement, la communauté sénégalaise qui vit au Mali. Merci beaucoup, Aziz. Bonsoir à Toto Diarra. Bonsoir, Yamoudou. Bonsoir, Aziz. Bonsoir, Bala. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je vois que Bakro Nimaga est déjà là. Avec tout le Bakro, ça va. Bon, Elijah, je n'ai pas compris pourquoi moi, en dernier, une telle Ntembela Dornier, une telle Soumanier. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. C'est le meilleur pour la fin. Non, Aziz, c'est pas le meilleur pour la fin, c'est le dernier pour la fin. Aziz il a avoué, il dit que non, ben à Coco, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Donc, avec voilà. Il est là. Bon, pour que Mboka Famia, ça fait depuis 21 heures jusqu'à maintenant qu'on a connecté. Il y a un encore avec Antoro. Donc, avec la transition, des fois, c'est ça, hein. Il assume la transition. Et fait je sais où tu habites, hein. Je peux pirater ce que je veux chez toi. Donc, là, c'est ce que tu as fait depuis 21 heures. Donc, on est à ton véritable. Bon, bon, ça, tout le monde. Je peux pirater. Donc, attention. Voilà. Tu peux essayer, ouais. En tout cas, merci à vous tous d'avoir répondu présent pour cette émission.
Et donc, on va évoquer la transition parce que c'est le sujet majeur aujourd'hui au Mali. Sommes-nous en transition ou sommes-nous dans une situation exceptionnelle qui n'est ni transition ni président élu? Et donc, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, nous avons un constitutionnaliste parmi nous qui s'est beaucoup exprimé, qui a écrit au moins deux livres sur la constitution malienne, sur les questions de transition, qui a aussi rédigé beaucoup d'articles publiés sur RP Média notamment et sur le reste de la presse malienne, j'ai nommé Bala. Bala, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous refaire l'historique des textes qui régissent la transition jusqu'au 26 mars 2024? Oui, merci beaucoup, Lydia, pour cette question. Alors, je vais commencer tout d'abord. Nous sommes le 23 août 2020, dans la déclaration de la transition. Ils voulaient faire une proposition d'abord. Ils ont commencé par une promesse en disant qu'ils ont envie de faire la transition pour 3 ans. Alors, cela est dit, nous sommes le 23 août, le 20, nous sommes au mois de septembre, le 20 septembre 2020. Il y a une charte de la transition qui a été adoptée, qui est rentrée en vigueur le 1er octobre 2020. Alors, dans cette charte de 2020, il faut remarquer qu'il y a 26 articles. Ce qui nous concerne aujourd'hui avec la prolongation de la transition, nous verrons, si tu me permettras, nous verrons l'article 21 qui prévoit la révision de la charte. Et d'où la charte a été révisée, comme tu as dit de faire un rappel, la charte a été révisée par une loi parlementaire du CNTE 25 février 2022, portant la loi portant la révision de la charte, et que dans cette loi qui porte, il y a l'article 22 que je reviendrai sur là-dessus. Or, comme tu as dit, si on continue les textes qui régissent là, alors nous avons vu un décret du président du 6 juin 2022 fixant la durée de la transition au regard des assises nationales qui a eu lieu en fixant 24 mois dans son article premier. Alors, si tel était le cas, il ne faut pas oublier que nous avons connu une nouvelle constitution qu'on appelle la 4e République, 23 juillet 2023. Alors, il ne faut pas oublier quand même que les 8 août 2023, il y avait eu 191 partis politiques à la suite de ça. On avait prévu que le 25 septembre, qu'il y aura la prolongation pour les raisons techniques de la transition. Alors, on voit quand même que le décret du 6 juin a fixé quand même que la transition prendra fin à compter du 26 mars 2023, 2022 jusqu'au 26 mars 2024, et que le 4 février, qui était la date de l'élection présidentielle. En gros, les textes qui régissent la transition. Alors, je n'ai pas envie de répondre à ta question. Après, on nous verrons des questions. Ça, c'est les rappels historiques des textes. Mais si tu me Justement, permets. le rappel, après on va rentrer dans le Voilà. vif du Ça, c'est le sujet. rappel, ça, c'est le rappel historique des textes. Merci, merci Maître Bala. Yamoudou, si on fait un diagnostic global de la situation politique au Mali, parce qu'il s'agit de politique, prolonger ou pas la transition, être ou pas en transition, ça fait référence à la politique. Et aujourd'hui, quel regard on peut poser sur la situation politique au Mali? On va faire comme si on s'adressait à des non-maliens. Qu'est-ce qu'ils devraient savoir aujourd'hui sur la cartographie de la situation politique au Mali? Merci de cette question. Bonsoir, mon frère Bakouré. Moi, je pense que, au fait, le Mali aujourd'hui, on peut dire qu'il est dans une crise politique. Hein? La transition, comme on appelle de par son fonctionnement, a aussi provoqué une crise politique majeure, dans la mesure où vous avez pratiquement l'essentiel des appareils politiques qui demandent le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que le fait de ne pas être dans un ordre constitutionnel est une crise politique en soi. Et en même temps, la dernière fois, je parlais d'une triarchie au Mali. La charte de la transition, la constitution de 92 et la nouvelle constitution qui vient d'être promulguée. Maintenant, les deux qui ont force en réalité, c'est la charte et la constitution de 92, puisque il n'y a que la constitution de 92 qui est mentionnée dans la charte. Et l'autre problème, c'est l'accord d'Alger qui est pris en compte dans la charte, mais qui viole la constitution de 1992. Et la nouvelle constitution est la validation de la charte, donc de l'accord d'Alger, mais qui ne peut être mis en vigueur dans la mesure où elle ne peut être opérationnelle qu'avec les nouvelles autorités, pas avec le pouvoir transitoire qui est en place. Donc, du coup,
cette situation même, qui est conflictuelle en soi, fait qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir en réalité. Donc là, la clarification ne peut venir que des engagements qui ont été pris. Et je pense que la plupart des appareils politiques s'appuient beaucoup plus sur ces engagements pour constater le vide juridique relatif à la durée de la transition qui avait été fixée unilatéralement par les autorités après l'embargo avec la CEDEAO au 26 mars, comme on appelle, 2024. Merci beaucoup, Yamoudou. Toto Diarra, Yamoudou a lâché le mot vide constitutionnel, mais on ne va pas emboîter le pas aussi rapidement à Yamoudou. Je vais revenir sur la question que j'ai posée à Yamoudou, à savoir, quelle cartographie fais-tu de l'équilibre politique au Mali aujourd'hui? Est-ce que tu es d'accord avec Yamoudou pour dire que la transition en elle-même, qui émane d'une rupture constitutionnelle, est une crise et la gestion de cette transition par les autorités actuelles ajoute la crise à la crise? Est-ce que tu partages cet avis de Yamadou Keïta? Oula, bon, je partage une partie et je ne partage pas totalement, enfin, le reste, à savoir, ben, là où je partage déjà, c'est la gestion même de cette chose-là. Parce que quand on est responsable, quand on est dirigeant, on est manager, ne serait-ce que trois personnes, et à forte raison, la taille d'un État, on doit prévoir les échéanciers. Ben, si ils ont mis des décrets, ils ont écrit un décret, ils ont élaboré un décret en disant que bon, ça prendra fin à telle date. Alors, pourquoi attendre jusqu'à la fin pour faire quelque chose ou bien pour ne rien faire? Moi, je ne vois pas l'intérêt en fait. Est-ce qu'ils veulent qu'il y ait un trouble ou pas? Alors, donc, ça c'est au niveau transition. En fait, Dobenya, la semaine dernière, oui, il y a 2 semaines, on a eu à le dire, enfin, j'ai eu à le dire ici, IM Dissolution. C'est qu'ils ont tendu le bâton pour se faire battre. Et la transition aussi, pareil, vient de tendre le bâton pour se faire battre. Sans aucune raison. Ils auraient pu se mettre d'accord il y a 3 mois, il y a 2 mois ou je ne sais pas quand, pour parler avec tout le monde. Parce que ce n'est pas le moment de se diviser. D'autant plus qu'ils n'ont jamais, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille depuis le début. On est d'accord. Donc, il faut prévoir ces problèmes-là. On n'attend pas que les problèmes arrivent pour les résoudre. On doit prévenir les problèmes. C'est ça, être dirigeant. C'est ça, être un manager. Ce n'est pas des managers, c'est des dirigeants. Donc, quand on dirige, ben, il faut éviter ce genre de trucs. Bon, on y est. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On est forcément, là où je suis d'accord avec Yamadou, on est dans une crise. Parce que ben, tout le monde dit, ben, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on est dans une transition, on est dans un vide juridique. Mais voilà, là où je ne suis pas d'accord avec Yamadou, et ça ne sera pas qu'avec Yamadou, tu connais mon idée, déjà personnellement, la constitution, pour moi, aujourd'hui, c'est une constitution qu'on a singée sur les autres. Alors voilà ce qui arrive quand on singe les choses des autres, ni moraux, là, des. Voilà comment ça arrive, il est trompé. Quel était. Il y avait combien de partis politiques? Oui, il y a combien de partis politiques dans un village pour succéder au chef de village? Il y en a combien? Il n'y en a pas. Alors, qu'Assimi soit là aujourd'hui ou qu'on mette quelqu'un demain, qu'est-ce que ça change pour le Mali? Peut-être des partenaires qui vont venir, sauf que est-ce que ça va marcher? Parce que si il venait aller voir les Français ou bien les Allemands, les gens vont dire, ah oui, mais Assimi n'ont pas voulu faire ça et toi tu veux faire ça. Sauf qu'on ne peut pas vivre sur l'autarcie. Alors, on est bloqué. Donc, il faut faire appel au peuple. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont prévu quelque chose, mais il me semble que c'est un peu tard. Voilà. Et donc, ça amène ces Est-ce que la embrouilles-là. meilleure manière de faire appel au peuple, ce n'est pas les urnes, comme on l'a fait avec le référendum constitutionnel? Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait des élections parce qu'on est dans, ben, la Constitution le demande, ben, on est d'accord sur ça. Même si moi, personnellement, dans un premier temps, les élections telles que ça se déroule chez nous n'est pas ma tasse d'été. En fait, ça n'aboutit à rien. Ça aboutit toujours au même résultat, à savoir ben, des crises post-électorales, je sais pas, des rébellions, voire même des coups d'État. Oui, mais Alors, on Toto, continue quand même à justement, les faire. on est en train d'analyser une promesse Justement, non tenue d'élection. une promesse non tenue qui va déboucher forcément sur peut-être un coup d'État ou bien, je sais pas, des soulèvements. Et alors que les gens sont chauffés maintenant, il y a un problème d'électricité, il y a le problème de l'AIM, il y a le Fantanabé. Donc, on doit tout faire pour éviter que ça boue. Et sauf que là, on donne les fagots et les trucs et la paille et l'allumette. Et bien, il faut mettre quelqu'un, juste un imbécile qui va foutre le feu et on est parti pour un autre tour. Sauf qu'on n'a même plus le droit à cette erreur-là. On en est là. Est-ce que tout le monde en est conscient? Je ne sais pas. En tout cas, ceux qui sont au sommet ne devraient pas attendre aujourd'hui ou bien hier, le 26 mars,
pour nous trouver dans cette situation-là. Soit on est dans la démocratie, soit on dit, bon, il n'y a plus de démocratie, il faut qu'on construise ces pays-là à marche forcée, et dans ces cas, on met tous les tests de côté et on y va. Tu es partisan de la dictature, on va dire les choses. Est-ce que tu... Dictature, ben, ça c'est le mot, ça, c'est... moi je ne connais pas la dictature, bon, c'est le mot européen. Le mot ça, bleu. En tout cas, ouais. tu es partisan de la force. La stabilité du pouvoir, la stabilité, non, ce n'est pas la force, la stabilité du pouvoir. La stabilité du pouvoir, celui qui dirige va être stable. Voilà. Est-ce que le pouvoir actuel manque de courage pour adopter ce chemin-là que toi, pour lequel tu optes? Non, non, du tout. Je l'ai toujours dit ici, mais je l'ai dit aussi qu'ils vont faire les 5 ans. Ils vont même faire plus que 5 ans, 5 ans maintenant. Moi, j'étais parti sur les 5 ans des dégâts. Maintenant, ils vont faire plus que 5 ans, puisque qu'est-ce qui va arriver? Si tu veux le pouvoir, il faut aller le prendre maintenant, pas la force. Alors, donc, est-ce que c'est le moyen? Non, personne ne souhaite ça. Donc, il faut qu'ils proposent quelque chose et très rapidement au peuple. Donc, pour que, on puisse sortir de là. Soit on est dans la démocratie ou dans la politique politicienne, singer les constitutions des autres, ou bien, on sort carrément de là et on dit, bon, nous, on a nié, on a fait nié. Et moi, selon moi, tant qu'on n'a pas stabilisé le fauteuil présidentiel au Mali, en tout cas, Roshi. Peu importe comment on doit y arriver, on a comment est-ce que vous voulez qu'on vous dirige? C'est tout. Non, ok, on constitue ta France, États-Unis, constitution, et puis on revient à la même chose. Et chaque année, chaque 5 ans, c'est les mêmes problématiques. À un moment donné, il faut se calmer, quoi. Il faut changer de physique d'épaule. Même un enfant qui tombe chaque fois en marchant de la même façon, il va essayer de changer. Aziz Santara, Toto a dit beaucoup de choses. Hein. Il remet encore en cause la démocratie, alors que chez nos voisins au Sénégal, ils ont eu la possibilité et même la légitimité de demander à l'armée d'intervenir. Ils ont pris leur temps, ils sont allés aux urnes, ils ont élu un président plus légitime. On ne peut pas faire plus légitime aujourd'hui que le président sénégalais grâce à la démocratie. Or, la quête de Toto, c'est la légitimité du président pour pas que quelqu'un puisse le toucher. Maintenant, tu vas peut-être réagir sur ce que Toto a dit, mais la question que je m'en vais te poser, là, on est devant le fait accompli. On a connu un gouvernement de transition qui est expert dans l'art de faire des déclarations, des communiqués, communiqué numéro 001 du machin. On a fait des communiqués pour tout. On a fait des communiqués pour les attentats qui ont eu lieu en Russie. On a fait des communiqués pour dégager l'ambassadeur de France à Bamako, pour dégager la MINUSMA, pour dégager le G5 Sahel, pour dégager la Barkhane, pour attaquer la CEDEAO, pour même attaquer les Nations Unies, pour attaquer l'Algérie. On n'est pas à un communiqué prêt. Comment tu analyses ce silence-là qui devait sanctionner le 26 mars 2024, soit par un décret de prolongation de la transition futile, illégitime, illégale ou légale, ou de dire on met fin à la transition, voilà ce qu'on propose. Ce manque de clarté, est-ce un aveu d'échec ou est-ce qu'ils ont pris goût à la non-réaction et la non-réactivité des Maliens au point de se dire qu'on ne met plus les formes? J'ai été long, je ne sais pas si tu as compris. Ni i mso furu dongela ni ye de no manga me i jabitike. Quand tu épouses, voilà, il faut écrire, hein. Quand tu épouses une femme, quand tu épouses une femme parce que tu sais danser, quand tu entends la musique, c'est légitime que tu prennes peur. Alors, le Mali a vécu une telle situation en 1968. Les militaires, le CMLN a pris le pouvoir pour 6 mois. Ça a duré 66 fois plus que 6 mois. Alors, la même chose se passe au Burkina. Il avait annoncé un délai qu'il n'a pas respecté. On avait salué Mamadi Camara parce qu'il avait dit que s'il ne respectait pas ces délais, il allait demander à quelqu'un d'autre de poursuivre. Mais apparemment, il a changé de fusil d'épaule. Au Tchad, celui qui ne devait pas se représenter parce qu'il dirige la transition va se présenter. En fait, l'exemple contraire, c'est le Sénégal. Ce qui s'est passé au Sénégal, je vous parie tout ce que vous voulez. Si c'était au Mali, il y aurait eu un coup d'État. Mais la sagesse a dominé. La démocratie, même si Toto et moi, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce concept, a réussi par rapport à la rupture. Le problème du Mali, c'est qu'on n'est pas rigoureux avec le respect des textes. Et tant qu'on n'aura pas de rigueur dans le respect des textes, dans le travail,
dans l'effort, on ne va pas s'en sortir. C'est clair et net. On va faire 50 ans, 500 ans, on va faire deux pas en avant, cinq pas en arrière. Ça va toujours rester comme ça. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Il faut qu'on accepte de souffrir. Une démocratie peut être malade, comme un corps, mais on le soigne ou on le laisse se défendre pour qu'il apprenne à combattre ce microbe dans le futur. C'est ce qui s'est passé dans la construction des nations. Il y a des périodes de tempête, mais on laisse la tempête passer. Il n'y a pas un Sundiata qui vient déraciner un baobab à Kati pour arranger la situation. Ça ne peut pas continuer. Est-ce que tu mets en doute le fait que Sundiata ait déraciné un baobab au XIIIe siècle? Ben, tant que mon grand frère Keita est sur le plateau, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Alors, pour revenir à ta question, je vais l'analyser sous deux angles. La première analyse, c'est l'angle juridique. En réalité, la nouvelle constitution a dit clairement qu'elle rentrera en vigueur ou la transition, entre guillemets, selon les textes en vigueur, viendrait à terme quand le nouveau président va prêter serment. Ça règle une partie du problème. Mais l'autre angle d'analyse maintenant, c'est personnel, mon analyse personnelle, c'est qu'on a atteint le troisième verre du pouvoir selon Amadou Ampateba. Alors, au début du premier verre, comme il le dit, le pouvoir fait au second verre, on se comporte comme un lion, on ne supporte plus la contestation, tous ceux qui contestent subissent le courroux de notre désapprobation. Et au troisième verre, on se comporte comme un cochon. On fait des choses qu'il ne faut pas faire. Donc moi, je trouve qu'on est quelque part entre le deuxième et le troisième verre actuellement, parce que les chefs d'État du Mali, les dirigeants du Mali se sont comportés comme ça. Et chaque fois qu'ils se sont comportés comme ça, ils ont récolté les pots cassés de leur comportement. C'est-à-dire commencer à oublier qu'ils sont là pour le peuple et ne penser qu'à eux-mêmes. La moindre des choses, c'est la vie d'une nation. Quand il y a des choses comme ça, un décret qui a été signé qui ne peut pas être respecté, la moindre des choses, c'est de communiquer en la matière. Et ne pas communiquer, c'est mépris pour le peuple. Et chaque fois qu'un dirigeant a méprisé le peuple, on a récolté les conséquences. Donc, je mets la table pour le débat juridique. Je sais que Bala est en train de trépigner. Quand j'ai dit que la nouvelle constitution et la transition sont assumées, sont un peu adossées au nouveau pouvoir, je sais que je mets un peu la table pour le débat juridique. Merci, merci infiniment Aziz. Il y a Touré qui vient de nous rejoindre du parti Dignitaire. Bonsoir Touré, on ne va pas faire de salam alaik. La première question, je vais l'adresser parce qu'on a fait un premier tour de table. Hein. On a vu que officiellement, selon le décret qui fixait la durée de la transition, qui prolongeait la durée de la transition de 24 mois, devait prendre fin le 26 mars 2024. Ça n'a pas été fait. Et pire, il n'y a eu aucune déclaration pour dire ce qui advient du Mali, des textes du Mali, de la transition après cette date-là. Est-ce que c'est un manque de respect envers le peuple ou est-ce que c'est un aveu d'échec? Ah si, tout d'abord, j'ai des groupes sur Internet, j'espère que ça ne va pas revenir, c'est ce qui justifie mon état, je m'excuse. Vais m'excuser du moins d'avance. Oui, pour cette question, aveu d'échec, et l'autre, c'était quoi, l'autre point, s'il vous plaît? Est-ce que c'est un aveu d'échec ou est-ce que c'est, pour paraphraser Dr Bala, le peuple est persona non grata de la transition? Bala a écrit un article là-dessus. Est-ce que le peuple est persona non grata ou est-ce que c'est un aveu d'échec du côté des autorités de la transition? Alors, je pense que c'est d'abord un aveu d'incompétence. Et cette incompétence, on pouvait le prévoir. On pouvait la prévoir depuis bien longtemps. D'abord, on a fermé les yeux sur beaucoup de choses, en fait. Il y a toujours les béabas. Il y a toujours des principes de base sur lesquels on a fermé les yeux. D'abord, le décret, c'est pas un décret qui devrait déterminer la durée de transition. Parce que on ne peut pas laisser
le pouvoir à un homme de déterminer lui-même la durée de son mandat. C'est contraire au principe même des mandats politiques. Donc, de ces faits, on a vraiment fermé les yeux sur beaucoup de choses. Depuis le début de cette transition, on a oublié que le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. Donc, on est déjà sorti du cadre juridique depuis bien longtemps. On a laissé faire, on a sans cesse laissé faire les choses, et maintenant, on est rattrapé. Et effectivement, ces personnes maintenant qui sont au pouvoir, ils savent que les Maliens ne sont pas attachés à leur souveraineté en tant que peuple. Ils sont même, j'ai presque envie de dire, ils sont pas, soit ils n'en ont pas conscience, soit ils ne sont pas attachés à leur dignité d'homme libre. Puisque si on est vraiment attaché au fait qu'on est des hommes libres et dignes, on ne peut pas, en aucun prétexte, nous dessaisir de notre droit souverain en tant que peuple et en tant qu'homme libre. Et donc de ne pas choisir le gouvernement qui nous administre. Donc, je pense que c'est un aveu d'échec. Je pense aussi que c'est d'une incompétence patente, puisque ça ne peut pas arriver. C'est tellement UBS en fait de se retrouver à gouverner un pays de 20 millions d'habitants. Et vous êtes là, vous n'avez aucune base juridique, aucune assise juridique, aucune légitimité formelle. Et vous dormez tranquille. Ça veut dire que les gens qui font ça, ils n'ont vraiment pas beaucoup d'estime pour le peuple sur la tête desquels ils se cramponnent au pouvoir. Et pour terminer une chose sur ce point, et je pense que c'est important de le dire, j'ai déjà dit sur ce plateau que nos autorités sont en train de manger du fadento. Et donc, ils ne peuvent pas reprocher à quelqu'un d'en manger. Fadento, c'est prendre le pouvoir déjà, le pouvoir qui appartient à tout un peuple, braquer ce pouvoir d'État et l'exercer et ne pas pouvoir se lever du fadento. Vous savez, le fadento a pour caractéristique principale que celui qui le mange ne peut pas se lever. Il faut qu'on le chasse. C'est ça la vérité. Donc, vous prenez le pouvoir par la force. Vous avez des gros salaires. Vous avez tous les avantages inhérents à des fonctions autocratiquement obtenues. Et maintenant, vous vous donnez vous-même un délai. Et ce délai arrive, vous êtes là. Vous faites un discours creux en janvier 2020, en janvier 2024. Pour dire que le pays n'est pas stable et que y a pas moyen d'organiser des élections. Et le pire, c'est qu'ils ont mis, ils ont fait voter des constitutions dans ces mêmes conditions d'insécurité. Et on avait prévenu que cette constitution, notamment le présidentialisme, le régime présidentiel et l'élection présidentielle n'est plus adaptée, ne sont plus adaptées pour le pays. Et les voilà maintenant incapables d'appliquer leur propre constitution, en l'occurrence organiser ne serait-ce que des élections présidentielles. Donc notre pays est en panne depuis 20 ans. On n'a pas de députés élus, on n'a pas de maires élus, on n'a pas de présidents élus. Les maires, je crois que ça fait peut-être 20 ans déjà qu'on n'en a pas. Donc le pays est complètement en panne, les institutions sont en panne. On avait une occasion inespérée avec cette transition, de revoir tout cela, de refonder notre État de manière vraiment profonde, structurelle. Ils nous ont confisqué cela, ils ont trahi cette transition, tous ces principes, toute cette charte, et ils se sont appropriés et confisqués le pouvoir. Et maintenant, nous voilà dans l'impasse, en plus de la crise sécuritaire, nous voilà plongés dans une crise institutionnelle sans précédent dans notre histoire. Ça veut dire des gens qui n'ont même pas les compétences de se doter d'un semblant de base juridique pour nous gouverner. Oui, on va y revenir hein, sur l'aspect juridique. Bala, on sait que à un moment donné, la transition n'était pas critiquable. Quand il y avait l'embargo, quand il y a eu le réarmement, quand on a lancé le processus pour reconquérir Kidal, quand on a renvoyé la MINUSMA, la Barkhane, etc., quand on s'est retiré du G5 Sahel,
C'était inadmissible pour les Maliens que d'autres Maliens critiquent la transition. Ça leur a même valu une aura partout où il y a des diasporas africaines dans le monde, notamment ici à Paris. Et aujourd'hui, on va dire depuis le début de l'année, les gens commencent à recouvrer leur liberté d'expression. On voit aujourd'hui sur les plateaux télé maliens, les gens prennent la parole, ils disent ce qu'ils pensent, les partis politiques font des communiqués, les partis politiques expriment leur désaccord avec la gestion de la chose publique. Or, les Bambara disent que tout ce qui diminue est appelé à finir. Est-ce qu'il faut avoir peur? Pour un observateur de la scène politique malienne, le fait qu'à un moment donné, personne ne disait rien et aujourd'hui, les gens se plaignent, Toto l'a dit, de l'incapacité de l'État à fournir l'électricité. Et l'électricité vient avec l'eau. On n'a pas d'eau. Et le manque d'électricité a un corollaire sur les soins dans les hôpitaux. Des entreprises ferment. Le peu qui travaille doit distribuer les maigres richesses générées avec le reste de la famille qui n'a pas grand-chose. Est-ce que les autorités de la transition militaire ou civile devraient avoir peur de cette situation-là qui peut être explosive à tout moment? Merci beaucoup. Ta question est très importante. Comme les autres, hein, voilà. Oui, mais oui, c'est cela, très, très capital. En fait, moi, je pense que je pense que la transition, les auteurs de la transition peuvent dormir tranquillement. Ils n'y risquent rien. Parce que dans la mesure où je vais réagir pour les autres, quand tu lis l'article 190 de la nouvelle constitution, les activités de la haute cour de justice, est-ce qu'il y a une trahison? Parce qu'en écoutant Aziz, en écoutant Toto, en écoutant Yamadou, en écoutant Touré, on se pose la question du fait que, je parle d'un point de vue droit constitutionnel, du fait qu'ils n'organisent pas les élections, les décrets ont été pris, la nouvelle constitution, la charte, la troisième république. Est-ce qu'il y a une haute trahison? Le serment, j'ai bien, le serment qui a été prêté par le président de la transition, qui était vice-président, qui dit il va respecter la charte, qu'il va respecter la constitution. Est-ce qu'il a violé son serment? D'où la question est simple. Du fait que, paradoxalement, moi je pense qu'il ne faut pas les prendre. Les de la transition ils sont très malins. Je vais faire beaucoup des années. Parce que dès lors que l'article 190, la charte et de la nouvelle constitution prévoit les activités de la cour, de la haute cour de justice prend fin dès la promulgation de la nouvelle constitution. Il n'y a pas une juridiction qui peut juger le président de la transition aujourd'hui comme haute trahison. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un boulevard. Moi, je dis qu'il faut arrêter de se mentir qu'aujourd'hui qu'on se dit la vérité aux Maliens. Est-ce qu'il y a-t-il un vide juridique? Je vais répondre à cette question. Il faut que tu me donnes du temps. Est-ce qu'il y a des garde-fous? Est-ce qu'on va faire des propositions? Aujourd'hui, moi, je vais faire des propositions, mais je vais faire des analyses juridiques d'abord avant de parler des questions politiques. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il peut dormir tranquillement? Moi, je ne crois pas à la révolte. Je ne crois pas à l'insurrection. Je ne crois pas à un coup d'État aujourd'hui. Parce que qui ose de faire un coup d'État aujourd'hui, il ne sera pas bienvenu pour le peuple malien. Aujourd'hui, donc moi, je ne crois à rien. Cette transition, les autorités de la transition, les dieux sur la terre, en fait, ils ont droit à faire tout. Voilà, je vais profiter pour te poser la question fatidique. Hein. Aujourd'hui, Alaoudou, Alaoudou, Malika Alaoudou, voilà. Malika Alaoudou. Quels sont les principales, quels sont les obstacles juridiques auxquels la transition elle est confrontée au Mali? Là, on va rentrer dans le juridique. On va rentrer. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, je me vante pas. Je pense que l'histoire m'a donné raison. Ça me permet aujourd'hui, certaines personnes qui pensent que j'étais prétentieux. J'étais le premier Malien, j'ai dit bien sûr, après mes en parler de la fin de la Troisième République, d'où qui a fait l'objet de mon ouvrage, parce que la Troisième République a pris fin avec la destitution du IBK par le coup d'État. Donc, bizarrement, ils ont réhabilité la Troisième République en disant que la Troisième République complète. La charte de la transition complète la Troisième République. Donc, si tu votes officiellement, n'oublions pas quand même qu'officiellement, le 23 juillet 2023, on a une Quatrième République. Je te dis bien, quand tu lis les décrets de la promulgation de la Quatrième République, les décrets que vu la charte, il ne dit pas vu la transition, vu la Troisième République. Donc, les obstacles juridiques, c'est quoi? Aujourd'hui, Yamadou a dit quelque chose qui est très important. J'ai écouté Yamadou, j'ai noté. On avait la coexistence des trois textes que j'ai écrits dans mon deuxième bouquin, le doucement de la transition. On a trois textes qui régissent le Mali. Moi, je pense qu'il faut que les gens fassent très attention, qu'il y a un vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique. Il y a pire que le vide juridique que je vais parler à la fin, je vais qualifier. Donc, on a la Troisième République. Parce que la charte existe toujours. Il ne faut pas oublier. La charte complète la conscience de la Troisième République. La Troisième République n'est pas disparue officiellement. La charte n'est pas disparue officiellement. Il faut que les gens fassent très attention. Il n'y a pas un vide juridique. Il y a les pires que le vide juridique. Oui, Là, bah je donnerai la question. explique-nous justement pour ceux qui ne comprennent pas ces termes juridiques, en quoi la charte et la constitution de 1992 coexistent. Alors, Peut-être que sur le la tableau. charte, la,
La charte sur le plateau, nous le savons, mais le public qui nous regarde... La charte qui a été publiée en 2020, il dit que dans son préambule, la charte complète la constitution de la Troisième République. Ce n'est pas les termes de M. Cissé Bala ou Dr. Bala, ou le consulat de Balassien. Donc, la charte a été claire, il complète la constitution de la Troisième République. N'oublions pas, je n'ai pas vu un décret officiel qui abroge la constitution, qui abroge la charte. Parce que si on revoit clairement, la nouvelle constitution a été claire, hein, la nouvelle législation, l'article 189, est clair, la législation elle reste en vigueur, la législation elle reste en vigueur jusqu'à que le président prête le serment. Donc, ça sous-entend clairement que la charte existe. Il n'y a pas un vide juridique. La charte est un texte qui régit le Mali pour le moment. Il ne faut pas oublier aussi que la Troisième République n'est pas disparue officiellement. Tacitement, il est disparu, mais officiellement, il reste toujours un texte juridique qui est là. Il ne faut pas oublier aussi que la Quatrième République aussi, elle est là, même si elle n'est pas applicable à l'État. Donc, je pense que Yamodo a raison. Nous avons trois textes juridiques qui coexistent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un vide juridique. On a un vide institutionnel. Il n'y a pas un vide juridique, il y a un vide institutionnel. Parce qu'aujourd'hui, à partir du 26 mars, d'un point de vue du droit constitutionnel, nous avons un gouvernement des faits. Toto, je serai d'accord avec toi. Le gouvernement a été légalisé à partir du 26 mars 2024. Nous avons un gouvernement des faits. Ça veut dire qu'on a fait un nouveau coup d'État juridique. Donc, c'est ça. C'est un coup d'État juridique. Ce n'est pas un vide juridique. Il faut que les gens fassent très attention. Nous avons un coup d'État juridique. Parce qu'aujourd'hui, comme tu as dit, il n'y a pas de communiqué, il n'y a rien qui garantit. Voilà, mollo, parce que ce que tu dis est très intéressant. Tu es le seul constitutionnaliste ici. Les spectateurs nous écoutent. Moi, j'ai la possibilité de t'appeler quand je veux, mais pour la gouverne des spectateurs, explique-nous en quoi il y a un coup d'État juridique, en quoi il y a un gouvernement de fait, en quoi il y a une crise institutionnelle qui est différente d'un vide juridique. Alors, le vide juridique montre qu'il n'y a pas de texte juridique. Or, il ne faut pas oublier qu'il y a trois textes juridiques. Yamodo a rappelé, il y a trois textes juridiques qui régissent le fonctionnement de la transition aujourd'hui. Il ne faut pas oublier. Il y a trois textes juridiques qui régissent le fonctionnement de la transition. Nous avons la constitution de 92, nous avons la charte qui a été votée en 2020, qui a été révisée en 2022, on est d'accord. Nous avons la nouvelle constitution qui a rentré en vigueur en 2023. Donc, même si officiellement, il n'est pas rentré en vigueur jusqu'à l'installation de nouvelles agences, mais implicitement, cette constitution, elle est là. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi, lorsque je parle, la crise institutionnelle, c'est quoi? Du fait qu'il y a la vacance. Je pense que la Cour constitutionnelle a été saisie par certains magistrats ou par un corps qui dit qu'il y a la vacance de la présidence. Parce qu'en réalité, dès lors que l'institution qui gouverne la tête de la transition, c'est la présidence. Donc, en réalité, on a un vide institutionnel. On peut parler de vide institutionnel, mais pas un vide juridique. Parce qu'il y a des textes juridiques qui régissent. Donc, on peut parler en disant qu'à partir du 26 mars 2024, que le président de la transition devrait être le président de la transition. Donc, là, on peut parler du vide institutionnel. Mais le vide juridique, il y a des textes juridiques. Parce que si on avait fait un coup d'État, parce que quand ATT était parti, n'oublie pas, quand je parlais de la fin de la Troisième République, lorsque nous avons dit que IBK démissionnait, donc là, il n'y avait pas une institution. On a fait un coup d'État. Donc, lorsqu'on a fait le coup d'État, on a suspendu la Constitution avant qu'il fait retour à la Constitution parce qu'on avait voté l'acte fondamental. On est d'accord? L'acte fondamental a permis de créer, après on a réhabilité la Constitution de la Troisième République. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, là, c'est vide. Maintenant, qu'est-ce qu'un coup d'État? Qu'est-ce qu'un coup d'État constitutionnel? C'est-à-dire qu'un coup d'État constitutionnel ou un coup d'État institutionnel. Aujourd'hui, on a pris les institutions de la transition en otage, qu'on ne communique pas, qui est différent du coup d'État militaire. Aujourd'hui, ce n'est pas un coup d'État. Aujourd'hui, on a pris les institutions en otage parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de remplaçant de ces institutions parce qu'il faut organiser les élections ou soit faire les paradigmes de forme parce qu'il y a un degré qui a... On a fait les assises nationales qui ont permis de prolonger la transition. Il faut faire la même manière de prolonger la transition. Donc, on n'a pas fait ça. Oui. Bala, te connaissant très bien, est-ce que tu es en train de nous dire dans un français scientifique que les autorités de la transition se sont octroyées un mandat? Bien sûr, mais plus qu'un mandat, mais j'avais dit dans mon deuxième bouquin que les doucements de la transition, je vous ai dit que nous sommes, le mandat aux États-Unis, c'est de 4 ans. Toto, même si tu n'aimes pas qu'on fait des comparaisons, le mandat aux États-Unis, c'est 4 ans. Là, ils vont faire 4 ans. C'est un mandat. Donc, le deuxième mandat, j'avais dit clairement. On va faire réagir les autres, on revient à toi. J'avais dit clairement, le deuxième mandat de la transition commence. Ça veut dire qu'en réalité, je termine. Le deuxième, quand je parle d'un gouvernement des faits, le gouvernement des faits a commencé le 26 mars 2024. À partir du 26 mars 2024, nous sommes rentrés dans le deuxième mandat de la transition. Merci infiniment, Maître Bala. Je rappelle qu'il est avocat au barreau de Paris et qui est docteur en droit, qui nous fait le plaisir de venir nous aider à comprendre les choses constitutionnel. Yamodou Keïta, quand on écoute Bala, la question que je m'avais te poser, c'est en quoi cette non-prolongation de la transition, mais l'existence des autorités de la transition à la tête de l'État,
sans décret, sans discours, sans forme, en quoi est-ce que ça impacte la stabilité sociale, politique et économique du Mali? Ok. Merci de me poser cette question. C'est-à-dire que la stabilité... Je ne remercie pas, hein, mon rôle, c'est de poser des questions. Oui, merci quand même. Alors, la stabilité d'un pays repose sur ses institutions, la stabilité de ses institutions. Les institutions sont définies par la Constitution. Donc, tout est lié, en fait. Donc, je pense qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que... Excusez-moi, il y a eu une succession de problèmes. J'ai eu à dire sur ce plateau ici que l'attelage juridique qui avait été mis en place n'était pas bon. C'est la charte de la transition déjà, viole la constitution de 92. Et je ne sais pas quelle gymnastique nos juristes ont fait, parce qu'avec le temps, j'ai compris que certains syndicats de magistrats ont participé à la rédaction de la charte. Comment ils ont pu accepter qu'on inscrive l'application d'un document constitutionnel dans une charte et dire que cette charte complète cette constitution et que la mission essentielle de la transition, c'est l'application de cet accord. Quand vous lisez la charte de la transition, la mission essentielle de la transition qui a été définie, c'est l'application de l'accord d'Alger. Maintenant, si vous avez remarqué, au nom de cette application, pour la stabilité du pays, tout le reste du programme de la transition a été défini. Au départ, ils sont partis sur la charte première formule qui mettait l'application de l'accord. Après, il y a eu le deuxième coup d'État, rectification de la trajectoire de la transition, application efficiente, intelligente et efficiente de l'accord, organisation des ANR, et relecture de la charte de la transition. Et dans cette relecture encore, on a mis application efficiente et intelligente de l'accord et orienter la mission de la transition selon les résolutions des ANR. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. À partir de là, on a renouvelé encore les engagements de la transition vis-à-vis des résolutions des ANR, comme si les ANR étaient une assemblée souveraine qui a défini la durée de la transition. Il dit qu'au lieu de faire 18 mois, il faut aller à entre, je ne sais plus combien, jusqu'à 5 ans, je ne sais pas. Oui, c'était ça. Donc, cela a été pris dans la relecture de la nouvelle, comment on appelle, charte. Et du coup, la charte s'est plus basée sur la résolution des ANR pour redéfinir encore sa mission, mais toujours en se référant à la constitution de 92. Maintenant, question simple. La constitution de 92 ne reconnaît pas les ANR comme étant une constituante. La constitution de 92 ne reconnaît pas les concertations qui ont eu lieu au préalable comme étant une constituante. Mais comment voulez-vous prendre les éléments de ces rencontres nationales, soit-il, pour les asseoir sur une constitution qui ne les reconnaît pas et dont l'objectif et la mission, c'est d'appliquer un accord qui viole même l'esprit de cette constitution. Donc, déjà, l'instabilité juridique est venue de là. La violation de la constitution de 92 est venue de là. Maintenant, je vais rassurer Toto. Notre constitution de 92 n'est en rien la constitution de notre pays. C'est la constitution du Mali. Même c'est la nouvelle constitution. La nouvelle constitution qui est la copie de la constitution française. À travers ses organes, à travers les pouvoirs qui sont définis dedans. Même la date symbole de la tenue du référendum, le 18 juin, ça renvoie à l'histoire directement. Un nouveau général de Gaulle. Donc, la régionalisation qui est dedans, qui a occasionné notre réforme, c'est cette régionalisation qui a fait échouer le général de Gaulle en France ici. Donc, c'est pour vous dire qu'on est en train, je pense, de jouer sur la méconnaissance des Maliens sur leurs droits et sur l'exercice de leur souveraineté. Maintenant, par rapport à la question de la démocratie, parce que la démocratie en soi, c'est un régime qui doit conduire à cette stabilité institutionnelle, parce que les organes qui sont définis dans la Constitution et les institutions qui sont définies dans la Constitution sont faites de façon collégiale.
Et cette démocratie ne nous est pas imposée. La donne mondiale de la gouvernance, elle a été définie après la Deuxième Guerre mondiale à travers l'adhésion de toutes les grandes nations à cet esprit de démocratisation acté par la création des Nations Unies. Elle n'a imposé à personne. Et c'est même dit, ceux-là qui doivent l'appliquer, ils l'adoptent à leur réalité. C'est pourquoi on a dit qu'il n'y a pas de démocratie occidentale, il y en a plusieurs. Chacun l'a fait à sa sauce. Et ceux qui nous disent que les coups d'État, c'est l'échec de la démocratie, c'est faux et archi-faux. Quand on a fait le coup d'État à Modibo, il n'y avait pas de démocratie encore, même si la révolution de Modibo tendait vers ça. Il n'y avait pas de démocratie. Dans un pays où on a marqué dans la Constitution que le coup d'État est un crime imprescriptible contre le peuple, s'il y a un coup d'État dans ce pays, c'est par manque de respect des lois que ce coup d'État est consommé. C'était au président de la Cour constitutionnelle de refuser et de faire appliquer la Constitution. Malheureusement, ça n'est pas fait. Donc, pour te dire que l'attelage juridique qui a été mis en place déjà était un problème depuis le départ. Maintenant, et les engagements pris avec la communauté internationale par rapport à la situation du pays a permis au peuple malien, en tout cas, nous a poussé à nourrir de faux espoirs. Parce qu'en réalité, tout ce par rapport auquel on a nourri des espoirs, en tout cas pour moi personnellement, rien n'a été réglé. Car ce qui était mon inquiétude est déjà fait. On a imposé un accord de partition du Mali au peuple malien à travers la nouvelle constitution. Ça, on l'a fait voter. Et on est rentré à Kidal à travers la résolution 2690, qui n'est que l'application de l'accord. Maintenant, pour ceux qui pensent que l'accord a été dénoncé, moi, je leur demande tout simplement de demander à nos autorités de faire voter une résolution à l'ONU, parce que c'est une résolution qui a fait venir l'accord. C'est aussi une résolution qui va faire partir l'accord. Donc, on a besoin de ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse par rapport à tout ça, parce qu'il n'y a pas de véritable réponse par rapport à tous ces problèmes. Question sécuritaire, question économique, question politique. Nous sommes dans l'impasse par rapport à tout ça. Et depuis combien de temps cette transition est là? Moi, je ne dirais pas qu'ils ont eu un mandat de 4 ans. Par rapport à la durée, oui. Mais par rapport à leur chronogramme, logiquement, une transition n'a pas cette durée au Mali. Elle ne l'a pas, elle n'est définie nulle part. Dans la constitution de 92, les dispositions transitoires, ça donne juste le pouvoir à la transition d'organiser les élections et d'installer les nouvelles autorités. Maintenant, pour finir, la nouvelle constitution, elle n'est opérationnalisée nulle part. Elle n'est mentionnée nulle part dans la charte. Donc la charte ne peut pas s'appuyer sur cette nouvelle constitution, même si elle est la validation de la charte. Donc juridiquement, le pouvoir qui est en place aujourd'hui ne peut pas utiliser, il ne peut pas avoir le crédit juridique de la nouvelle constitution. Ce n'est pas possible. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut laisser les autorités piloter à vue les pays comme ça, avec un Premier ministre qui n'a plus de politique générale, qui n'a plus déclaré, comme on a fait une déclaration de politique générale, je ne sais plus depuis combien d'années, depuis 2 ans bientôt. Le CNT ne l'a pas interpellé là-dessus. On ne sait même pas où va le pays. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cap. Mais tous les engagements qui ont été pris par rapport à l'accord ont été appliqués. L'insécurité règne encore. Il n'y a pas d'entente avec les groupes armés. Les groupes armés sont divisés. Certains sont avec le pouvoir, d'autres ne sont pas avec le pouvoir. On a dénoncé l'accord et on y a mis fin. Mais il est déjà dans la Constitution. Maintenant, on se bute à la question des élections. Alors, j'ai vu quelqu'un nous faire la proposition qu'en faisant les législatives, ça peut résoudre le problème. Je pense que c'est mon frère Bakoré. Malheureusement, dans la situation actuelle, non, ça n'est pas possible. Ça, aujourd'hui, il nous faut une architecture institutionnelle et constitutionnelle opérationnelle. Il nous faut cela. Donc, seules les élections, à commencer par l'élection présidentielle, peut nous permettre de sortir de cette impasse politique. Oui. Elia, ton micro est coupé. Elia. Tu sais que comme tu as pris deux balles, une balle perdue et demie de la part de Bala et bon, Yamoudou, ce n'est pas une balle. Hein. En fait, quelles peuvent être les mesures concrètes aujourd'hui vu que d'un côté, toi, tu dis qu'il ne l'aurait pas parce que Assimi Goïta,
et le reste de la transition ont fait une nouvelle constitution. Et dans cette constitution, ils ont donné la part belle à la démocratie, et surtout à la démocratie qui ressemble, comme Yamdou l'a dit, à la... Moi, je n'ai pas d'avis, hein, je cite Yamdou. Yamdou dit que la démocratie à laquelle la nouvelle constitution malienne a fait référence ressemble davantage à la démocratie française. Aujourd'hui, une partie du peuple pense que on aurait dû l'informer de ce qui advient après le 26 mars. Ça n'a pas été fait. Maintenant, tu es un observateur de la scène politique malienne. Tu as ton avis, un avis suffisamment tranché. Quels pourraient être des actes de solution aujourd'hui pour pas que la situation économique, sociale et politique du Mali s'aggrave encore? Ok, bah, écoute, la dernière phrase de Ayamadou, pour répondre à la question posée par Bakora Silla, Bakora Nimara plutôt, excuse-moi Bakora, je ne suis pas d'accord avec Ayamadou, mais je partage plutôt l'avis de Bakora. La présidence, le sommet de l'État, stabiliser ça, et maintenant faire la seule porte de sortie aujourd'hui, honorable, stable, c'est faire des législatives, organiser des législatives, faire des députés qui peuvent prendre des lois. Ça va peut-être couvrir un peu la présidence. Pourquoi j'ai dit couvrir la présidence? On est dans une démocratie parce qu'on a opté pour ça, et comme tu l'as dit, je ne suis pas pour, c'est pas mon truc, hein. Parce qu'en démocratie, il n'y a pas de stabilité au niveau, j'étais pas des institutions, mais du président de la République. Des pays ou certains pays ou certaines grandes nations peuvent se permettre. Mais quand tu vois les États-Unis, plus de deux siècles de démocratie après, où est-ce qu'on en est? Des procès collés à Donald Trump. Une question, pourquoi tu ne compares pas le Mali au Sénégal, par exemple, qui n'a jamais eu de coup d'État, mais qui a eu l'occasion à deux reprises de faire des coups d'État? Attention. Le cas du Sénégal, bah, si tu... bon, d'accord, je mets entre parenthèses ce que je suis en train de dire, je reviens sur le Sénégal. On a eu à le dire ici quand on a traité le cas du Sénégal. On a dit que les Sénégalais ont opté pour la voie démocratique parce qu'ils connaissent ce qu'est ça, donc les élections, depuis Senghor, Abdoul Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Parce qu'on n'est pas des Sénégalais, voilà, nous sommes des Maliens. Pourquoi pas le Mali? Non, mais il n'y a qu'une différence, nous sommes noirs, nous sommes noirs. Ah, si, il y a une différence. Ils ont une étoile dans leur drapeau et leur hymne national n'est pas celle de... Non, on était dans la fédération, pas les mêmes. C'est nos cousins, c'est nos cousins. Je ne suis pas Wolof, il n'y a pas de Bambara là-bas non plus. Donc, c'est nos les questions ici, hein. Attention, on n'est pas... Oui, donc c'est nos cousins, mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Ben, dans ces cas, on aurait dit, ben, comme Macky Sall est le président du Sénégal, donc ce n'est pas la peine d'avoir un président au Mali. Donc on aurait pu faire ça. C'est nos cousins? Non. Non, donc dans ces cas, on peut dire, bah, il n'y a plus le président Assimi qui te range à côté, tu t'égares et puis on s'ajoute au Sénégal. On a essayé, ça n'a pas duré, ça n'a pas dépassé 3 mois. Modibo et Mamadou Dia. Donc la fédération du Mali-Sénégal a été, on s'est séparés en bon ami. Alors, donc je viens là-dessus, donc, et ils ont opté pour les élections parce qu'ils connaissent que ça, ils ont l'air, on ne va pas les accuser. Tant mieux, on a dit, tant mieux s'ils arrivent à régler ça. Mais moi, je pense que le problème n'est pas tout à fait fini. Entre guillemets, c'est pas tout à fait fini. L'histoire n'est pas tout à fait finie. Donc, si ils s'en sortent comme ça, ça sera tant mieux et c'est tout ce que je souhaite. Et nous aussi, au Mali, j'aurais aimé que ce soit ainsi, mais on ne peut pas parce que l'histoire est très profonde. J'en viens à l'historique de nos présidents, de Modibo Keïta, Moussa Traoré. Bon, pas Moussa Traoré, je le mets de côté parce qu'il est mort quand il devait partir. Alpha Omar Konaré, donc on n'a pas eu ce problème-là, mais ATT, Amadou Toumani Touré. IBK, aujourd'hui Assimi. Alors, quand on dit que chaque peuple mérite son dirigeant, c'est là que vous allez comprendre un peu, certains vont aussi comprendre à ce niveau-là pourquoi on le dit. Parce que le président vient d'un environnement culturel. N'oublie pas ma question quand même, hein. Quels sont les... Ben oui, c'est pour... Non, mais en fait, la réponse à ta question vient de ce que je suis en train de dire. En fait. Oui, j'étais à l'œil. Donc, quand on dit que chaque... Voilà, donc quand on dit que chaque dirigeant, enfin chaque peuple mérite son dirigeant, parce que le dirigeant ne peut pas venir d'ailleurs que du milieu socio-culturel, environnemental de son peuple. Donc, s'il a une intelligence supérieure ou une vision supérieure en lisant les bouquins, en parlant avec d'autres trucs, pour dire, bon, je vais appliquer ça chez moi, c'est ce qui fait qu'il aura des visions pour son peuple. Donc, il peut diriger de façon normale, mais il y aura des moments où il faudra diriger de façon nécessaire. La nécessité va diriger dans ces cas-là. Donc, il faudra prendre des décisions impopulaires. Donc, il ne s'agit pas d'être du côté de la majorité.
mais d'éviter d'être du côté des insensés, des DG, enfin, des fous du pouvoir. Ça, c'est le rôle d'un dirigeant. Mais si on n'a pas cette culture-là, ça devient très compliqué. On se met à faire des choses ordinaires. Un dirigeant ne doit pas agir de façon ordinaire. Sinon, le résultat sera ordinaire, tout le monde sera dessus. On attend de toi que tu sois au-dessus de la mêlée. Ce qui n'est pas le cas parce qu'on essaie, la démocratie essaie d'aplanir tout ça. Chaque année, chaque 4 ans, chaque 5 ans, il faut renouveler. D'accord, on est parfait. Mais nous, on n'est pas prêts parce qu'on voit que deux siècles après les États-Unis, donc j'y reviens sur mon truc, deux siècles de démocratie, on en est là encore à vouloir empêcher Donald Trump de se présenter. Pareil que dans un État bananière, ou comme ils appellent les États bananières, on le dit. On en est là encore à empoisonner certains trucs ou à enfermer d'autres. Ben, comme au Sénégal, on parle de Sénégal, mais en réalité, la démocratie sénégalaise avait plus de morts que la dictature malienne. Retenez-le bien. La démocratie ivoirienne a plus de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qu'au Mali. N'oublions pas. Donc, si on ne comprend pas, ne parlons pas de démocratie parce que chacun doit adapter sa façon de diriger le peuple, enfin son pays. Le Mali, le Malien n'a pas cette conception de démocratie. Le Malien veut un pouvoir stable. Lorsqu'on dit un vide juridique, vide constitutionnel ou tout ce que nous voulons, combien de Maliens le savent? Combien de Maliens savent dire exactement oui? Très peu. On a 25% de scolarisation. 25%. Et parmi ces 25%-là, tu auras 10% qui sont vraiment conscients de ce qui se passe. Et ces 10%, tu en as peut-être, à tout casser, 5% de ceux qui s'intéressent à la politique et à la chose. Donc, pour diriger le pays, c'est très peu, c'est très, très peu pour faire changer les choses. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'organiser des élections législatives. Donc, très bonne idée de Bakore Nimala, très, très bonne idée. Ce qui peut sortir le mal de l'impasse aujourd'hui, c'est ça. Sauf qu'on ne peut pas le faire avec le Premier ministre actuel, parce qu'on est parti dans les guerres d'Ego. On a oublié le Mali, en passant. Enfin, Mais merci aujourd'hui que tu aies répondu à ça, Toto. Mais je ne vais pas juger les gens parce qu'ils sont susceptibles de faire des choses. Je juge les gens parce que ça a été fait. C'est ça mon truc. Moi, les gens ont dit, oui, il va faire ça. Ben oui, peut-être qu'il l'aurait fait. Mais moi, je ne pouvais pas le juger parce que je ne l'ai pas vu à l'œuvre. Donc maintenant que je vois ce qui se passe, je le constate. Moi, je ne peux pas aller dans les boules de cristal, en fait, on va dire. Donc, ce n'est pas que je reconnais un tort. Ce n'est pas un tort. Moi, à l'époque, j'ai fait un constat. Aujourd'hui, j'ai fait un constat. J'établis un constat. Donc, il faudra changer de cap dans ces cas-là, faire des élections législatives au minimum. Et ensuite, maintenant, on prend des textes. On essaie d'aller maintenant à la réconciliation. Parce que là, aujourd'hui, on n'a pas besoin de toutes ces divisions. Et le Mali va dans le mur. On va dans le mur. Donc, il y a trop de problèmes. Parce que la situation actuelle, pour finir là-dessus, la situation actuelle, la fin... la vie chère, la pauvreté, l'électricité, va créer des partisans alimentaires. C'est humain. C'est pas qu'au Mali, c'est humain. Même aux États-Unis, vous mettez les Américains dans cette situation, ils vont agir comme les Maliens. On est humain. Donc, ça va créer des partisans alimentaires. Et les partisans alimentaires vont entraîner la haine partisane. Dans ces cas-là, qui touchent à leur chef, ben, vous allez voir le sang monter dans leurs yeux. Et du coup, ça peut aboutir soit à des coups d'État, des guerres civiles, à des partitions un peu partout. Sauf que nous n'avons pas besoin de ça parce qu'on est au milieu, au centre du Mali déjà ou au nord. Il n'y a pas de stabilité, Yamadou l'a dit. Donc, on doit tout faire pour la cohésion. Sauf que le Premier ministre aujourd'hui ne permet plus de faire ça. Donc, Assimi et ses collègues, ses collaborateurs, donc c'est l'ex-colonel, pour qui j'ai beaucoup de respect. Beaucoup de respect, je vais vous les expliquer aujourd'hui parce qu'il y en a qui pensent que je suis partisan de la transition. Je ne suis pas partisan de la transition, je suis extrême Mali, je suis partisan du Mali. Peu importe que ce soit Assimou, qui soit à la tête du Mali, je veux qu'il soit stable, qu'il soit entouré de gens qui donnent des bons conseils pour stabiliser ce pays. Alors, qui est plus méritant que ces gens-là aujourd'hui? Justement, c'est ça la question. Oui, il faut qu'Assimou parte, il faut que... Oui, d'accord, qu'il parte, mais quelqu'un d'autre vient. Il faut qu'il soit quelqu'un de méritant. Mais qui est plus méritant que ces cinq-là aujourd'hui? Je prends au hasard. Mais tant que ces personnes ne sont pas armées, Toto, on ne peut pas répondre à ta question. J'arrive. Alors, même si tu mets un civil aujourd'hui, il aura les moyens de pouvoir, donc il aura les armes. Je veux dire que eux, leur mérite, c'est d'avoir eu des armes pour un coup d'État. Sinon, le Mali est exactement qui a été désarmé. Aziz, on va laisser Toto terminer, tu vas réagir exactement sur cette partie-là. Donc, je disais, qui est méritant? Quand tu vois que ces gens-là, tous entre eux, ils ont fait la guerre, c'est quoi? Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le bacan, les canons qui chauffent, la mort des collègues à côté, la haine, l'enfer de la guerre, ils ont vécu ça. Tu pensais que c'était pour devenir riche? Non, ils ont fait pour défendre ce Mali. Et vous pensez que... Il y a encore des militaires sur le terrain qui font ça.
Aziz, on va laisser. Non, mais oui. On laisse le pas dit, et tu vas réagir. Je parle des militaires. Tous ceux qui sont engagés pour le Mali, ils n'ont pas fait ça pour devenir riches. Ils ont donné leur peau pour sauver cette terre. Je ne parle pas du Mali, mais la terre de leur père. Donc, dans ces cas-là, qui est plus méritant que eux? Donc, ils sont là aujourd'hui. Et lorsque j'ai dit que chaque peuple mérite son dirigeant, c'est que tout le monde, tous les présidents maliens, à part Modibo, je ne l'ai pas entendu dire, Alpha Omar Konaré qui n'a pas été en difficulté, disent que oui, je ne veux pas que le sang d'un seul malien coule pour moi. C'est qu'ils n'ont aucune idée de leur fonction. Ils l'ont dit tous. Ils n'ont aucune idée de leur fonction. Quand tu es président de la République, tu es là pour les institutions, tu es là pour la gendarmerie, enfin, pour l'armée, tu es là pour la justice, tu es là pour le peuple. Dire que oui, non, il ne faut pas qu'un malien meure pour moi. Non, ce n'est pas ta personne. C'est parce que lui, il pense qu'à sa personne. Ça veut dire qu'il n'avait même pas une notion. Ils n'ont dit tout ça. Je n'en parle pas. Donc, les présidents maliens successifs n'ont pas eu la hauteur nécessaire, comme peut-être au Sénégal aujourd'hui, parce que c'est stable là-bas. Mais quand tu réduis le pays à ta personne, et forcément, on se trouve dans des trucs aujourd'hui. Et la seule façon de nous sortir, d'où j'ai rejoint l'idée de Bakore Nimaga, c'est d'organiser des élections pour... Non, Bakore Nimaga. Donc, pour organiser des élections pour qu'il y ait des représentants du peuple et suivre vraiment ces élections de façon correcte, qu'elles soient sorties des urnes avec des avis du peuple pour que au moins, il y a quelque chose de légal et de légitime. Voilà. Merci beaucoup. Juste très intéressant ce que Toto a dit. Voilà. Oui, Yamoto. Oui, juste une seconde. Comme Toto, il est sur cette partie-là. Juste pour lui dire que, ça, au Mali, aujourd'hui, tu ne peux pas organiser les élections législatives avant les présidentielles. On n'est pas dans un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime présidentiel. C'est la majorité. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Toto, non. Bon. C'est bien, hein? Chacun, les spectateurs, le but c'est que les spectateurs connaissent les positions de tout le monde. Chacun a vu nos positions, Toto est pour, Yamoudou dit que ce n'est pas possible, donc balle au centre. Aziz Santara. Quand on veut, on peut, quand on veut, on peut, quand on peut, on doit. Non, c'est impossible. Aziz Santara, excusez-moi, voilà, on n'est pas au tribunal de Bala, si c'est... moi je ne donne pas de bisous, hein. Je vais être cash aujourd'hui. Aziz Santara, ma question, avant que tu réagisses aussi à ce que Toto a dit, parce que c'est très important, Toto dit, je cite... Il pose la question, si des gens sont plus méritants, moi je n'ai pas la réponse. Mais le meilleur système pour savoir qui est méritant, c'est aux Maliens qu'il faut dire. Sinon, moi je pense que je suis plus méritant que tout le monde. Yamoudou doit penser qu'il est plus méritant. Toto lui-même doit penser qu'il est plus méritant. En tout cas, mes enfants pensent que leur papa est méritant. Donc, c'est assez compliqué de trancher, mais tu vas y répondre. Mais cette situation exceptionnelle dans laquelle le Mali vit, déjà que le Mali est en transition officiellement, président de la transition. On avait du mal avec nos partenaires. Est-ce que cette nouvelle situation exceptionnelle est matière à aggraver notre situation aux yeux de nos partenaires dont on dépend? Le reste du monde dépend du Mali, le Mali dépend du reste du monde. Donc ça, c'est la question. Et aussi, tu as le droit de réagir à ce que Toto a dit concernant le choix des dirigeants maliens. Ben, je vais d'abord commencer par les spectateurs qui nous écoutent. Il y en a plein qui sont en train de faire des commentaires qui sont borderline. Je vais juste leur dire qu'ici, ils vont entendre des choses qu'ils n'entendent pas ailleurs. Ici, on va dire des choses. Oui, c'est lourd, Wagi. Donc, si vous n'êtes pas prêt à entendre ce qu'on est en train de dire, allez-y écouter. Grampé, ou Galou Damba. Ou Boubou Mabel, allez-y écouter. Il y a plein de choses que vous avez. Nous, on va dire des choses très difficiles à entendre ici. Alors, ça, c'était la mise en garde. Si je viens du côté du mérite, Elidia, je connais très bien les histoires de militaires. Être militaire, c'est un choix. Quand on choisit de donner la chose qui est la plus sacrée de ça, qui est la vie à la nation, c'est un choix et chaque choix a ses conséquences. Alors, moi, je pense que le médecin qui a travaillé honnêtement au Mali a autant de mérite qu'un militaire qui a risqué sa vie. Je pense que l'enseignant qui a mouiller le maillot avec sa craie dans le village a autant de mérite que le militaire qui a risqué sa vie. Je pense également que le balayeur qui a bien balayé a autant de mérite. La seule différence, c'est que un prend les armes que le pays lui a donné pour prendre le pouvoir. Le balai ne peut pas faire ça, la craie ne peut pas faire ça, la seringue ne peut pas faire ça, c'est la seule différence. Alors, ceci dit, je reconnais que... Aziz, tu m'as permis de m'a couper, donc je te coupe cette fois-ci. Donc, parce que pour que celui-là, il puisse balayer, il puisse piquer quelqu'un ou soigner quelqu'un, il faut qu'il soit en sécurité.
Voilà. Coran, c'est pas sécurité ou puis les autres. C'est les autres et la sécurité. La preuve, énergie du Mali, on est en train de payer le prix aujourd'hui. D'autres choses, c'est le premier symptôme. D'autres symptômes vont sortir de la tête. En fait, un pays se développe dans un mouvement. On ne peut pas arrêter tous les secteurs pour développer que la sécurité. Ce n'est pas possible. C'est tous ces secteurs-là. C'est pour cela qu'il n'est pas facile d'être un dirigeant. Parce que tu es un chef d'orchestre. Il y a les batteries qui sont là-bas, les cuivres qui sont là-bas, les cordes qui sont là-bas. Tu dois diriger tout ça en même temps. Mais si toi, tu arrêtes tout le monde pour jouer que le tam-tam, ton pays va crouler. Ça, c'est clair et net. Donc, pour dire cette partie-là, je ne dis pas qu'ils sont déméritants. Non. Au contraire, j'ai vu une de mes publications il y a 12 ans. Il y a quasiment 12 ans, jour pour jour, le Mali perdait Kidal. Et je disais qu'il est temps de réformer l'armée malienne. Pourtant, dans cette armée, ça regorge de jeunes talentueux. Ce jour-là, je ne connaissais pas Assimi, je ne connaissais pas Sadio Camara, je ne connaissais pas Malick Diaw, mais je savais qu'ils existaient parce que je connais la valeur de notre armée. Je connais la vaillance de nos soldats. Je connais l'esprit de sacrifice et le patriotisme de ces soldats. D'ailleurs, je salue encore ces soldats qui sont sur le front jour et nuit pour que le Mali puisse continuer d'exister parce que le Mali est en danger. Bravo à ces jeunes-là. Et bravo à nos dirigeants pour ce qu'ils ont fait. Moi, je sais que le crime, le coup d'État est un crime. Mais moi, personnellement, je pardonne le coup d'État de 2020 à cause de la reprise de Kidal seulement. Qui n'était pas content de ça? Mais ceci dit... Aziz, avant de continuer, juste une phrase comme ça. Il y a des membres de la CMA qui sont de l'armée malienne aussi. Il y a des terroristes aujourd'hui qui étaient Fama. Faut-il les excuser? Moi, personnellement, je ne pardonne pas aux gars de la CMA, personnellement. OK? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Okay, moi, personnellement, je ne pardonne à SMI, je pardonne à Sadio, je pardonne à ceux qui ont fait le coup d'État, mais je ne pardonne pas à ceux qui ont voulu diviser le Mali. Alors, ceci dit, je viens aux élections Toto. Le gouvernement même a décidé que c'est les élections présidentielles qui seront faites, pas les législatives. Donc, on est dans un débat. C'est vrai, je partage ton avis. Ce serait bien si on avait un Conseil national de transition qui mettait le gouvernement au défi. Parce que moi, je suis déçu du CNT. J'ai très apprécié quand ils ont mis Choguel au pas avec la loi électorale, mais je suis très déçu du fait que la sortie de la CEDEAO, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de convocation du ministre de l'Énergie pour la crise sécuritaire. On doit appeler le ministre de l'Économie pour poser des questions sur l'économie, mais il ne se passe rien. C'est une enveloppe vide. C'est Assimi qui les a mis en place, donc c'est pas le plus. Malheureusement, c'est pour ça que je partage ton avis, parce que voilà, même si tu es nourri de bonnes intentions, moi, si il y avait une CNT, moi, j'aurais dit autrement. Bon, je sais, s'il y avait un parlement qui n'était pas aux ordres, ce parlement aurait pu attirer l'attention de Assimi sur certaines choses qu'il ne voit pas, pour qu'il fasse encore mieux que ce qu'il a envie de faire, parce qu'il a envie de bien faire. Alors, pour terminer maintenant, Elidia, cette situation, ça va effectivement, il faut voir les agences de notation. Le Mali a une dette spéculative. Le Mali en français, est... En français, ça veut dire en quoi? En français, ça veut dire que dans les institutions internationales, dans les organisations qui se respectent, si tu prends ton argent pour donner du crédit au Mali, tu vas te faire renvoyer. C'est comme ça, la finance est impitoyable. Le Mali aujourd'hui, personne ne va mettre un COPEC sur le Mali. Mais ce n'est pas grave. C'est nous les Maliens maintenant qui devons reconstruire notre pays. C'est un défi. Mais il faut accepter. Quand certains disent Assimi jusqu'en 2050, ça c'est chez leur père ou chez eux, pas notre Mali. Le Mali nous appartient à tous. Il ne sera pas là jusqu'en 2050. Alors, pour terminer, moi je suis d'accord qu'ils aient leur avis. Mais il faut qu'eux aussi soient d'accord que moi j'ai mon avis. Et au Téné Bomalien, là, au Toulou Bomalien, là, n'a même fait qu'à Tanyé, Ploumonogma Benganya et Kélin, Batke Kounumado. Alors, on est obligé de nous mettre ensemble. On a besoin de quelqu'un parce que le Mali est clivé aujourd'hui en deux, les pros et les anti-démocraties. Je ne sais pas pour vous, mais le lycée que moi j'ai fait, ce lycée-là a été construit après 1991. Peut-être que c'est le cas de la plupart des gens ici. Le pont de Bankoni, la route de Kulikoro, la route de Ségou, le goudron que j'emprunte pour aller travailler,
tous ces endroits ont été construits au moment de la démocratie. Moussa Mara a fait une intervention remarquable. Il dit qu'il y a eu trois fois plus de routes, trois fois plus de capacités électriques, trois fois plus d'écoles qui ont été construites entre 1991 et 2020 qu'entre 1960 et 1991. Moi, j'ai vécu le pouvoir de Moussa Traoré. Ceux qui sont en train de parler là, ils n'ont pas vécu ça. C'est pour cela qu'ils sont en train de parler. Imaginez des fonctionnaires, trois mois, six mois sans salaire. Le Mali était en train de partir à volo. Et on ne peut pas dire ce qu'on veut. Ce qu'on est en train de faire un peu maintenant, quand on parle atteinte au crédit de l'État, il n'y a pas pire atteinte au crédit de l'État que de ne pas pouvoir donner d'électricité aux Maliens. Il n'y a pas pire atteinte au crédit de l'État que de donner sa parole que tu vas faire une courte transition civile et quatre ans après, te retrouver avec des militaires, avec un décret qui vient à échéance. On n'est même pas capable d'expliquer au peuple ce qui se passe. On est capable d'organiser des référendums, mais on n'est pas capable d'organiser des élections présidentielles. Moi, je n'étais pas pour que Assimi soit candidat. Je voulais que Assimi soit comme un Thomas Sankara. Je voulais qu'il soit comme un Amadou Toumani Touré. Alors, pour cette raison, j'aurais voulu qu'il ne se présente pas. Mais pour sortir mon pays de la situation dans laquelle nous sommes actuellement, je serais même prêt à ce que Assimi se présente. S'il gagne, tant mieux. Pour terminer, un spectateur a fait un commentaire que notre président élu Macky Sall a tué des Sénégalais. Macky Sall n'est pas mon président élu. Le type de président élu que moi je veux, c'est Ousmane Sonko, c'est Bassirou Diomaye Faye. C'est pas Macky Sall. Merci. Merci beaucoup, Aziz. Il y a Adaman qui a disparu parce que c'est à lui que j'allais donner la parole. Mais juste pour une invitation aux spectateurs qui nous regardent et ceux qui prennent le bateau en marche, en fait, ça va être très, très compliqué d'avoir programmé de passer sa soirée avec nous dans le but d'écouter ce que vos oreilles aiment. En fait, ça ne va pas être possible. Donc, moi, je pense que si ce que nos analyses ne plaisent pas à des gens, je crois que si vous allez sur YouTube, vous tapez Diallo Damba, il y a encore de belles chansons de Diallo Damba, de Guénéba Sec, de Fantani, de Petit Gimba, tout ça. Je pense que c'est plus agréable. Sincèrement, moi-même, j'entends des choses ici qui me font mal à la tête. Donc, j'imagine, vous qui découvrez l'émission, voilà, si vous pouvez changer votre conception de vous-même, c'est-à-dire que cessez de croire que vous êtes les seuls à avoir le droit à parler. Parce que quand vous insultez quelqu'un avec qui vous échangez, c'est que vous avez envie qu'il se taise. Bon, je pense qu'ici, ça leur glisse sur la peau. Donc, soyez les bienvenus. Mais si ça ne vous plaît pas, il y a Diallo Damba sur YouTube. Adaman, je vais te faire réagir aussi au propos de Toto sur la question de la méritocratie. Je pose la question à toute la République du Mali. Pouvez-vous me citer des gens qui sont plus méritants que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, sachant que Choguel n'a jamais eu 1% aux élections présidentielles au Mali. Il s'est présenté, je crois... J'ai parlé des militaires, j'ai pas dit Choguel, hein. J'ai dit les militaires. Choguel conduit la politique gouvernementale du Mali aujourd'hui. C'est le premier ministre qui est resté le plus longtemps en poste. Il devient de fait l'un des gens les plus gradés de la politique malienne, à part ceux qui ont été chefs d'État. Donc, comment tu réagis à cette notion de mérite? Et aussi à la vision globale de Toto sur la question démocratique dans notre pays. Ok, tout d'abord, Toto, il y a... Comment il s'appelle le monsieur, le nouveau président sénégalais, monsieur... Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye. Diomaye Faye. Enfin, Ousmane Sonko, ouais, on va faire son cours. Ousmane Sonko. Il est président. Et je ne crois pas qu'il soit l'homme le plus grand, le plus beau, le plus intelligent de son pays. Mais c'est le choix de son peuple. C'est d'abord ça qui fait foi. Bon, ensuite, il y a un point qui est très important. Je pense qu'il y a des gens qui ont vocation à avoir le mandat populaire pour diriger le pays. Des gens comme nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des gens qui enchaînent des réunions, qui réfléchissent sur tous les aspects de la vie du pays, l'aménagement du territoire, les routes, les écoles, la santé, l'armée. Nous n'arrêtons pas, nous, les politiciens qui créons des partis politiques, nous n'arrêtons pas d'écouter des doléances des uns des autres, de faire des réunions sur toutes sortes de thématiques pour nous imprégner des réalités du pays et pour justement élaborer un projet de société. Donc, les gens qui ont vocation à diriger les pays, c'est des gens qui font ce travail. Ça m'étonne que Assimi Goïta ait fait la moitié des réunions politiques que moi j'ai pu faire
sans être payés jusqu'à minuit et sur des thématiques dont il n'a même pas idée. Voyez. Bon, maintenant, il y a une chose qui est très importante, c'est que c'est le peuple qui décide. Moi, je ne parle pas pour tout le Mali, mais moi, Adaman, celui qui dirige mon pays, sans mandat du peuple dont je fais partie, pour moi, c'est mon ennemi. Parce que je suis un homme libre, je suis un homme digne. Et celui qui dirige mon pays, sans qu'il ait obtenu le mandat du peuple, cette personne est mon ennemi. Je ne vais jamais, je répète, jamais m'associer à cette personne. Ça, c'est certain. Non, Adama, il est adversaire, il n'est pas ennemi. Non, il est adversaire, il n'est pas ennemi. Attention, les mots. Il est adversaire, mais pas ennemi. Pour moi, c'est mon ennemi. C'est mon ennemi. Bon, pour moi, ok, parce que l'ennemi, c'est celui qui va transformer ta culture et tout ce qui attaque ton pays, qui transforme ta culture. Non, donc, c'est la différence entre adversaire et ennemi. J'ai des adversaires politiques. Nous draguons, si vous permettez le terme, nous sollicitons tous le suffrage du peuple avec des projets différents, c'est des adversaires politiques. Mais le braqueur du pouvoir d'État est mon ennemi. Ça, c'est certain. Et il a attenté à ma dignité d'homme libre de désigner moi-même, avec l'ensemble de mon peuple, les gens qui sont habilités, mandatés à nous gouverner. Donc, pour moi, ça, c'est certain. Donc, si quelqu'un veut voir chez des hommes armés des méritants, au motif qu'ils ont fait l'armée, qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont le mérite de diriger leur pays, c'est leur pays. Mais moi, c'est mes ennemis, c'est certain. Et ça doit être le cas pour tous les Maliens. C'est pour ça que j'appelle pour la dignité des Maliens au soulèvement, parce que vous n'êtes pas digne d'être gouverné par quelqu'un qui a braqué le pouvoir et qui s'accroche au pouvoir depuis 4 ans. Ça, c'est certain. C'est attentatoire à notre dignité d'homme libre. Nous sommes un vieux peuple de plus de 1000 ans. On ne peut pas vivre un recul civilisationnel en 2024 avec des braqueurs de pouvoir qui s'habillent de toutes sortes d'habits populistes pour s'accrocher au pouvoir et pour nous ramener notre pays toujours en arrière. Maintenant, je vais arriver à deux points qui me sont chers. Moi qui vous parle, En janvier 2022, me semble-t-il, c'était quand les sanctions de la CEDEAO, là, je crois que c'était en janvier 2021-22, enfin. À la suite de ces sanctions, on a fait les manifs à Genève ici pour soutenir le Mali. J'étais très mal à l'aise parce que je me voyais manifester pour soutenir en quelque sorte un régime autocratique, et sachant que la CEDEAO était, selon moi, dans une certaine mesure dans son droit de prendre des sanctions contre mon pays, puisque nous avons aussi, nous Maliens, pris des sanctions contre d'autres pays dans la même situation des putschs. Mais à la fin de cette manif, on s'est assis, on a travaillé, on a envoyé des propositions aux autorités. Moi, j'aimerais parler ici de ces propositions. On a envoyé des propositions aux autorités. On a fait des documents, je ne sais pas, tout ensemble, ça ne fait pas moins. Je crois que depuis le début de cette transition, la correspondance que nous, on a fait à l'endroit des autorités maliennes, ça ne fait pas moins de 200 pages. 200 pages. Je vais peut-être sortir ça des livres et je gagnerai un peu d'argent comme Bala le fait, en fait. Ce serait mieux. Parce que aucune réponse des autorités du Mali. Ben, si c'est pour leur dire ce que tu viens de me dire, franchement, moi, je ne répondrai pas, hein, pour être honnête avec toi. Ah oui, non, mais c'est aujourd'hui que je peux me permettre de parler comme ça parce que je sais qui sont les gens en face. Vous voyez, aujourd'hui, je peux me permettre de parler comme ça parce que j'ai fait des nuits blanches à écrire sur l'accord d'Alger, à écrire sur un deuxième Kourougan Fouga pour tenir un deuxième Kourougan Fouga, parce que la refondation de l'État malien me tenait absolument, mais viscéralement à cœur. Et maintenant, les propositions que j'ai faites, que personne n'a voulu entendre, j'ai aussi fait ces propositions à l'ONU, j'ai eu la chance de parler à l'ONU du Mali, c'est passé complètement inaperçu. Je vais reprendre ces propositions, vous verrez à quel point
c'est édifiant, c'est d'actualité encore. On revient à ces mêmes problèmes. On a dit ceci, très simple. On a dit, notre pays, depuis 60 ans, on a fait une expérience républicaine avec un régime présidentiel qui a commencé à la fin, au décès de Modibo Keïta. Parce que le premier régime malien, c'était un régime parlementaire aussi. On oublie beaucoup de le savoir. Parce que Modibo Keïta était le président du gouvernement à l'indépendance du Mali. On a dit qu'il faut qu'on revienne au régime parlementaire. Dans un pays multiculturel comme le Mali, le régime présidentiel n'est pas adapté. Le régime, c'est conflictogène, c'est clivant. Et la preuve, chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, c'est des tensions, c'est des fractures sociales. Et chez nous, c'est aussi le cas dans nos pays voisins. On a proposé un certain nombre de choses. On a dit qu'il faut décoloniser l'État. Parce que notre État est pris en otage par une élite, une caste d'élite francophone qui ne parle pas nos langues autochtones et qui gouverne. C'est quelques personnes qui sont à Bamako, qui dirigent ce pays depuis 60 ans et qui ne rendent des comptes à personne, qui ne connaissent pas les réalités du reste du pays. Et donc, il faut décoloniser le pays et les institutions pour que des personnes qui ne parlent pas français puissent aussi être investies de mandats publics pour diriger le pays et donner leur avis. On a fait un certain nombre de propositions qui, je vais les citer, ils sont au nombre de 5 principalement. Mais la proposition majeure, c'était que la transition militaire ne pouvait pas appréhender les questions institutionnelles de refondation de l'État. Une transition militaire ne pouvait pas, eu égard de son illégitimité. C'est le premier principe qu'on a posé. Donc, il faille une transition civile, mais une transition civile avec des députés élus, donc légitimés à refonder notre État. Légitimés, je répète, à refonder notre État. Et puis, leur légitimité, ils pourront légitimer aussi le gouvernement du fait de leur légitimité. Parce que c'est la voie royale en démocratie, c'est que le peuple souverain délègue sa légitimité au Parlement, donc aux députés, lequel délègue au gouvernement. C'est ça la voie normale en démocratie. Mais nous, en démocratie présidentialiste, on a toujours court-circuité le peuple qui doit déléguer sa souveraineté, non pas à un panel de représentants, mais à un seul président de la République qui va fagoter toutes les institutions et on se retrouve avec un régime conflictogène. Donc, on a proposé une transition civile de 3 à 5 ans avec tout d'abord un parlement à 2 chambres, donc des députés élus, y compris si c'est possible d'élire des députés par d'autres modes que le suffrage universel qu'on connaît, puisqu'il y a des régions en conflit où on peut peut-être appréhender la question de désignation des députés par consensus local. Ensuite, on a demandé qu'il y ait un Sénat coutumier pour que les gens qui ont rang de chef d'État coutumier, les Diamanatigi, je ne parle pas des Zougoutigi ni des Kafoutigi, mais les Diamanatigi, ils sont en moyenne 20-25 dans notre pays, qu'on les appelle pour former un Sénat. Donc, c'est une forme de Kouroukanfouka reconstituée. Mais cette fois, avec des représentants élus du peuple malien, des 20 millions de peuple malien. Avec ces deux organes, on a un parlement qui peut, pendant 3-5 ans, vraiment discuter en Bambara, en Peul, en Minyanka, en Boa, et refonder notre État. Parce que les aspirations... Rapidement. Je termine. Un instant, c'est très important. Les aspirations profondes du Mali profond ne sont même pas possibles à être articulées en français. Les gens qui ont le Mali en eux, ce n'est pas des gens qui sont à Bamako, ce n'est pas des gens qui parlent français. C'est ça que nous ignorons assez souvent. Donc, avec ce Parlement, on aurait pu désigner un gouvernement au Parlement, un gouvernement de transition. Et puis, on a proposé qu'il y ait même un général d'armée élu par le Parlement pour s'occuper des questions exclusivement de la conduite de la guerre antiterroriste.
Et ensuite, on a demandé qu'il y ait un président honorifique. Un président rapidement. Qui n'a aucun pouvoir, qui pourrait même être désigné parmi les chefs coutumiers. Et avec ça, on aurait pu avoir aujourd'hui une transition civile qui appréhende la question existentielle des refondations de l'État et qui aurait pu aujourd'hui laisser la conduite de l'armée à des personnes qui sont compétentes pour ça, mais qui rendent compte directement au Parlement. Et on aurait eu 3-5 ans pour refonder vraiment structurellement notre État, parce qu'il y a vraiment un certain nombre de réformes qui sont indispensables pour que notre État sorte de cette crise. Parce que notre État malien, même sans coup d'État, en plein régime, en pleine forme, notre État est déjà structurellement défaillant, corrompu. Et puis, tout le budget du Mali va déjà dans le fonctionnement de cette mastodonte d'État de Bamako, qui est déjà trop budgétivore, rien que pour son fonctionnement, pour les salaires des ministres, les salaires des fonctionnaires et les trains de vie de l'État. Merci beaucoup, Touré. Il y a cette réforme. On va faire un dernier tour. Je vais commencer par Bala, mais vraiment 2 minutes par personne. Hein. Bala, est-ce que moi, je vais te faire 2 questions, puisque tu es le seul constitutionnaliste. Hein. Est-ce que le dialogue intermalien, c'est l'espèce de parachute doré que la transition a pour continuer après ce que certains pourraient appeler par vide juridique ou d'autres par d'autres noms? Et la deuxième question, si tu étais Assimi Goïta, qu'est-ce que tu proposes pour sortir de tout ça? Tu as 2 minutes. Merci beaucoup. Je pense que je vais être modeste aujourd'hui. Je pense que je ne serai pas comme M. Touré. J'ai fait des propositions, comme tu as dit Touré, mais 2 livres, ça vaut 400 pages. Je pense que Luxor me donnera raison sur le Mali. Je pense que Koloï Yamadou sera d'accord avec moi. Il a dit beaucoup de choses aujourd'hui que je pense qu'au fur et à mesure, Toto m'est rejoint parce que j'ai eu beaucoup de divergences avec Yamadou. J'ai eu beaucoup, mais je me trouve quand même que Yamadou, aujourd'hui, on est dans la même ligne. Alors, moi, je pense que c'est bricolage. Depuis le début de la transition, j'ai posé avec M. Sidibé une proposition de ça, de la transition, en mettant une clause. J'étais le premier Malien à mettre une clause de prolongation de la transition dans cette Sarthe. Personne ne m'a écouté. J'étais le premier Malien aussi. J'ai dit bien ici avec modestie. J'ai proposé beaucoup de solutions qui n'ont pas pris en compte Toto. Qu'aujourd'hui, ça me donne raison. Toto, concernant les élections, je me permets parce qu'on ne peut pas, je ne peux pas partir comme ça en tant que constitutionnaliste. Lorsque tu dis qu'il faut organiser les élections législatives, pas l'élection présidentielle, je pense que j'étais le premier Malien en disant les élections couplées. J'étais le premier Malien aussi sur Après-Média, être contre le référendum en disant avant d'organiser le référendum seul, il faut faire des élections couplées présidentielles et les élections législatives avec le référendum. Je n'ai pas été écouté aujourd'hui. Je suis très content avec l'orgueil que j'ai aujourd'hui en disant que Luxor m'a donné raison. Alors, ça, c'est sur ce point. Moi, je pense aujourd'hui, si on veut sortir du Mali, comme Yeli a dit, je vais faire des propositions. Non, pas sortir du Mali, hein. On veut sortir de cette crise. Moi, je veux Si on veut sortir de ces crises, j'ai fait 3 propositions. La première proposition aujourd'hui, je pense que le parallélisme des formes, ils ont révisé la charte pour prolonger la transition. Si on m'avait écouté, là, nous sommes au mois d'août, nous sommes août 2020. Si on avait écouté ma proposition, lorsque, en faisant la sorte de la transition, en mettant une clause de la prolongation possible de la transition, ça, on ne reviendra pas, c'est vide juridique, on ne reviendra pas, c'est débat. Je n'ai pas été écouté. Aujourd'hui, avec l'orgueil, je le dis, s'ils vont réviser la charte de la transition, voici une proposition, mettre une clause de la révision en disant que lorsque nous sommes dans l'impossibilité technique ou autre d'organiser les élections, on peut repousser la transition de 1 an ou de 18 mois, peu importe. Toto, comme tu as dit, je ne suis pas anti-transition, je ne suis pas pour la transition, je suis pour le Mali. Pour sortir le Mali dans cette crise, aujourd'hui, voici une proposition. Il ne faut pas prolonger la transition d'une durée de 1 mois, de 18 mois. Il faut mettre une clause. Je fais une proposition de prolonger la transition aujourd'hui qui est faisable de 1 an, de 12 mois, et que 12 mois, une prolongation possible de 6 mois, voire après aussi, on revient sur là-dessus. Voici une proposition concrète. On a dit 2 minutes. Hein. Je vais mettre le chrono. Deuxième proposition, c'est quoi? Tu allais parler de les dialogues intermaliens. Je pense que sur RP Média, l'histoire me donne raison. J'avais écrit un article à l'époque quand j'ai dit les assises nationales
un diable dans le détail. Yamadou me rejoint ici parce qu'il n'y a pas eu des autres. Il y a pas eu les, j'avais parlé à l'époque qu'il faut faire une conférence nationale souveraine. Yamadou a parlé des constituantes. J'avais dit tout ça ne peut pas être prendre. Si on veut aller, il faut faire une conférence nationale souveraine. Ils ont fait le dialogue national. J'ai dit un diable dans le détail qui est sur RPM. Aujourd'hui, ça me donne raison. En fait, le dialogue intermalien n'est rien d'autre qu'une duperie, un bricolage constitutionnel, n'est rien d'autre qu'un bricolage politique. Le bricolage, c'est fini. Le temps, Aziz a dit. Je pense à Zia dit, je n'ai pas dit, le temps est contre nous. Il faut sortir de ces bricolages politico-institutionnels aujourd'hui. Il faut qu'on parle entre nous. C'est là que j'ai rejoint Yamadou. S'il veut qu'on sorte aujourd'hui, il faut qu'on s'assoie. On fait une conférence nationale souveraine. J'ai dit bien, la 4e République, elle est mort-née. J'avais écrit ça, l'histoire me donne raison aujourd'hui. Je vais essayer un peu du vantarisme aujourd'hui, en fait. Moi, je pense que le secteur de la transition, Toto, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi. Ils n'écoutent pas les gens, ils sont têtus. Je dis bien ici, hein. Quand ils sont têtus, ils vont aller dans le mur. Donc on va se suicider. Les suicides collectifs, il ne faut pas accepter les suicides collectifs. Parce qu'il faut souvent écouter les autres Maliens. Il ne faut pas qu'on mette les critiques qui pensent que nous sommes anti-Maliens. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? Il faut qu'on s'écoute. Lorsque l'orgueil, l'un des pires péchés d'orgueil, c'est l'orgueil. Les autorités de la transition sont orgueilleux. Ils pensent qu'aujourd'hui, critiquer la transition, c'est être anti-Malien. Donc c'est l'orgueil. Quand on est orgueilleux, on est têtu. Donc aujourd'hui, moi, je l'ai dit qu'il vient à la raison de faire le paradigme de forme, de prendre notre décret, même si c'est illégal. Je pense que quelqu'un l'a dit, même si c'est illégal qu'il prenne notre décret, même unilatéral, de prolonger la transition. On est là. Donc, mais à un moment donné, lorsqu'on met les cacophonies voilà, juridiques... Voilà. On a dit oui. 2 minutes. Hein. Toi aussi, tu je vas termine. Là. Je termine en disant cela. Têtu, voilà. Parce que le Mali, il faut qu'on fasse très attention. Si le Mali tombe, si nous sommes dans le même bateau, on va tous tomber. Notre identité qui nous reste aujourd'hui, c'est le Mali. Je pense qu'aujourd'hui, la part des questions d'autodémérite, moi, je pense qu'ils ne méritent pas le Mali plus que moi. Mali, c'est mon bataille. Mali, en bétade. Donc, pour terminer. Merci, Bala. Assimi Goïta a dit que si l'échoue, c'est toute la jeunesse qui échoue. Bon, Bala. Moi, je ne échoue pas. Bala, tu as à peu près le même âge que Assimi, donc tu es concerné. Toto, pour des raisons techniques, on va faire intervenir Toto avant les autres. Toto, justement, ce dialogue intermalien, est-ce le dernier parachute doré comme dans le CAC 40 quand on nomme des PDG, ils se blindent avec un parachute au cas où ils doivent partir? Est-ce que le dialogue intermalien est le dernier parachute doré de la transition? Et aussi, si tu avais été Assimi, quel acte tu poserais là tout de suite pour sortir de cette crise naissante? Disons, crise naissante, bon, ouais, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Alors, bon, pour commencer mes 2 minutes, hein, donc Adama plutôt, dans tout le truc, bah, je ne suis pas d'accord à 90% avec toi, mais là où on parlait de la refondation de l'État, oui, vraiment, il faut revenir aux ressources. Et là, est-ce que c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi parce que ce n'est pas compatible avec la démocratie que vous décrivez, enfin, que vous réclamez à corps et à cri. Il n'y a pas que toi, mais il y a beaucoup d'autres aussi qui veulent la démocratie sous ce format-là, qui n'est pas adapté avec notre conception du pouvoir. Par exemple, comme Dougouti Metoumina, quoi. Djamanatif Metoumina. C'est comme ça que nous comprenons le pouvoir. Donc là, je partage cette idée-là, mais le reste, on en discutera. Alors, Elijah, en fait, le doute ben nos femmes, ben la foi femme là. La religion et le pouvoir. Il ne faut jamais laisser le peuple douter. Comme ça. Il faut tracer un sillon. Voilà l'objectif. Et on va s'y tenir pour y arriver. S'il n'y a pas d'objectif, chacun part de son côté. Et là, il n'y a plus d'État. Donc, avant qu'on arrive à ce niveau-là, il faut que les dirigeants, aujourd'hui, se mettent au travail pour sortir quelque chose le plus rapidement possible. Je ne dis pas une semaine ou 2 jours, mais le plus tôt possible. S'ils peuvent le sortir ce soir, qu'ils le sortent. Il faut que les peuples puissent avoir un cap. Il faut toujours avoir un cap. Dans n'importe quel domaine, même pour faire un simple, pour creuser un puits dans ton jardin, tu dis, bah, je vais le faire là, quoi. Tout le monde est d'accord, ben, ça sera ici. Donc, ça, c'est la première chose. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais qu'ils fixent un cap. Deuxième chose, il faut que le peuple malien sache que tout bonheur exige son sacrifice. On n'est qu'au début. Alors, l'électricité, la vie chère. Hein? On a fait 4 ans, mon grand. On va faire non. Par rapport à ce que nous voulons, c'est même 5 ans, je l'ai dit, on a dit, on l'a redit, en fait, parce que les gens pensent sûrement que tout va continuer normalement comme ça et que ça va changer. Non, il y aura des jours difficiles, je ne le souhaite pas, mais tout bonheur, il n'y a pas de bonheur sans problème, voilà, pour faire simple. Mais si un pays veut
se développer. Un pays veut s'en sortir, veut devenir indépendant. Il ne s'agit pas de vivre seul, mais il y a des sacrifices donc, auxquels il faudra faire face. Si Assimi Goïta et ses collègues sont là aujourd'hui, il y a deux questions que je me pose. Quand je suis face à un problème, il reste 30 secondes, mais je vais en venir, en arriver. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à un problème de l'électricité, je me demande, est-ce que Assimi et ses collègues ont les moyens et qu'ils ne veulent pas dépenser ces moyens-là pour rendre le peuple heureux, juste pour se faire plaisir? Je pense que non, ils n'ont pas les moyens. Donc, dans ce cas, tu te dis, OK, pourquoi ils n'ont pas les moyens? Parce qu'on a été sous l'embargo, c'est un pouvoir que ceux qui nous aidaient trouvent illégitime. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est nous qu'on a cherché. C'est à Assimi de le faire. Alors, Assimi... Oui, donc si on cherche Assimi... On a créé ces conditions, Toto. En fait, ce n'est pas le moment de se lamenter. Voilà, c'est pas le moment. Il y a eu 16 minutes. Hein. Laisse Toto aller, parce que Toto, il va respecter les deux minutes. Donc, voilà, ce n'est pas le moment de se lamenter. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Tu prends un enfant de 12 ans dans la rue, il t'expliquera les problèmes du Mali. Maintenant, il faut trouver des solutions. Il faut proposer des solutions. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils doivent proposer des solutions. Que ferais-tu si tu avais été Assimi Goïta? Si j'étais Assimi Goïta aujourd'hui, écoute, élection législative. Tu étais un Mianga, qu'est-ce que tu ferais? Je ferai des élections législatives, peu importe les textes, ce que les textes disent, ça c'est leur problème, mais moi je suis responsable, moi je suis chef, moi je suis le patron, donc je décide. Parce que je sais, c'est là où j'ai la nécessité de diriger. On la confiscation de pouvoir, il confisque les voilà, pouvoirs. Voilà, laisse-toi aller au courant. Les pouvoirs ne se partagent pas, voilà. Les pouvoirs, c'est quelque chose qui s'impose, à moins que les gars fassent. Enfin, à moins que les gars fassent. Je n'ai pas dit partage. Donc, un dirigeant doit s'imposer à ce niveau-là. Je pense que dans ma deuxième intervention, j'avais dit qu'il y a deux façons de faire, même trois. Il y a manager, on dirige le peuple quand tout va bien. Et on va diriger aussi par raison. Bon, le raisonnement, la raison voudrait qu'on fasse comme ça, mais il y a la nécessité aussi. On veut ça, mais on n'a que ça. C'est ça, en fait, il faut voir maintenant dans quelles conditions nous sommes. Nous sommes dans une condition de nécessité. Et quand il y a nécessité, il faut s'imposer. Et là, avec toutes les conséquences qui en découlent pour les responsables. Pour le président. Si ça passe, tant mieux. Les gens te féliciteront, l'histoire te dira oui, merci. Mais si ça ne passe pas, c'est autre chose. C'est ça, un dirigeant. Tu ne peux pas vivre comme le peuple. Voilà. Donc, moi, ce que moi j'ai fait aujourd'hui, c'est de dire au peuple, voilà où on est. Donc, je vais faire ça, j'ai fait des élections pour qu'il y ait un contre-pouvoir. Donc, les gens qui vous avez mis en place pour qu'ils puissent me dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'il n'y ait pas que mes amis qui viennent me dire qu'il y a ça. Donc, ça donne une certaine légitimité. Donc, vis-à-vis du peuple, mais vis-à-vis aussi de l'extérieur. Parce que les Mali ne peuvent pas vivre en autarcie. Il y a beaucoup qui pensent que être indépendant, ben, je n'ai jamais dit ça. Mais il y en a beaucoup, j'entends des gens dire ça. Donc, il faudra, même la France, il faudra faire des partenariats avec la France, mais dans un cadre gagnant-gagnant dans ce cas, pas comme avant. Donc, on ne peut pas être indépendant, être émancipé, ne veut pas dire s'isoler des autres. Ben oui, on est dans un monde globalisé où on mais a besoin des choses comme ça, qu'on a. Le Mali nous, on a ça, il faut qu'on. Nous, on a ça. Et voilà. je te donne ça et toi, tu as ça chez toi, je prends ça. Donc, c'est ça en fait le monde. Hein. Donc, on sera amené à le faire un jour. Même l'Iran et les États-Unis font des commerces, ils font des échanges. Donc, à ce niveau-là, le Mali, il faut s'attendre à ce que le Mali revienne dans les balles de concert pour échanger, avoir des conseils, des ressources et aussi des appuis. Parce que ce que Aziz a dit, ce n'est pas négligeable. On ne peut plus avoir des crédits comme ça. Ça devient dangereux. Donc, il faut se saisir et remettre l'église ou bien la bosquée ou bien chez Frère Lana, du coup, Tiamantiala, ramener ça au milieu du village. Voilà. Merci beaucoup. Yamadou Keïta, si tu avais été Assimi Goïta, donc forcément, tu deviens Mianka. Si tu deviens Mianka, ça veut dire qu'en plein Ramadan, il faut que tu manges le chien et le matin pour le sougri, il faut que tu manges la tête du chien. Quel acte tu poserais que, voilà, on sorte de cette crise naissante. Même Elijah, oui. Sango va représentation bien. Abetse ka di mianga omade. Non, c'est vrai que vous avez dit Sango ou Fei. Oh, avant donne une blagata ça. Ok. Bon, Yamadou, en tant que président, il faut partager le chien. Il faut pas le garder pour toi seul. Ok. Voilà. Donc, au fait, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Mais on s'éloigne de l'objectif et de la réalité. Hein? Et ce que Toto dit, il faut des sacrifices qu'on veut. C'est pas ce qu'on demande à la transition, en fait. Donc, on ne demande pas la transition et de rebâtir le Mali
de refonder. Ce n'est pas ça qu'on a demandé à la transition. En fait, Toto a été clair. Il ne dit pas que c'est ce qu'il souhaite, mais Toto les voit aller pour Milan. Peut-être qu'il n'a pas le courage de dire que c'est ce qu'il malheureusement, il a malheureusement, ça, malheureusement, ça n'est pas cela. Même eux ne voudraient pas ça. Ça y est, en se référant à la constitution de 92, ils sont en train de faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Voilà toute la question. Moi, je pense que la transition est dans une logique pouvoiriste, tout simplement. On a menti aux Maliens. C'est ça la vérité. À l'époque, l'URDAC a été la structure qui demandait la prolongation de la transition. Nous avons été une des premières structures à demander ça. À l'époque, on espérait que cette transition va retoquer l'accord d'Alger. Le véritable problème du Mali, c'est ça. Mais la transition n'a fait qu'appliquer l'accord. Et les ANR n'ont été qu'un processus confiscatoire du pouvoir. Et aujourd'hui, avec le dialogue intermalien, il veut le remettre ça. Mais si vous prenez les termes de référence du dialogue du comité d'experts qui a été mis en place, j'ai posté la vidéo de M. Diarra sur notre forum. Il s'inspire de l'accord d'Alger. Pendant qu'on a dit aux Maliens que l'accord est fini, elle est dans la Constitution, le dialogue intermalien va se faire sur ça aussi. On a menti au peuple malien. Et le Mali est encore trahi. Voilà. Donc, les choses ne peuvent pas être simples. Et la durée que la transition s'est octroyée, elle l'a fait sur la souffrance des Maliens. Maintenant, Toto parle de mérite. Si quelqu'un mérite ça, c'est le peuple malien, en fait. C'est le peuple qui a conduit à Simila où il est aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es militaire que tu es plus méritant que tout le monde. Non, pas du tout. Et là, je rejoins Aziz. Chacun, dans sa mission et dans sa profession, il est dans un sacerdoce. Ça, c'est très clair. Et la société, elle est faite ainsi. Donc, aujourd'hui, après avoir organisé le référendum, je remercie déjà Maître Bala pour toutes les propositions qu'il a faites, qui étaient pertinentes, qui n'ont pas été entendues. On en a fait plusieurs ici qui n'ont jamais été entendues. Voilà. Mais aujourd'hui, il ne faut pas mélanger les choses. Et moi, je pense qu'on va dans tous les sens. Et je remercie mon neveu Adama Touré. Mais j'avoue que ça, ton projet, moi, je ne le partage pas du tout. On a besoin des dirigeants qui parlent français, anglais, allemand, chinois, qui sont polyglottes. Hein? Ça y est, on ne va pas chercher nos traditionnalistes parce qu'ils ne parlent pas français. Ne pas parler français n'est pas un critère d'éligibilité ou d'élection ou d'octroi de pouvoir. Ça y est, quoi qu'on dise, on revient à cette norme d'institution et de gouvernance. Aujourd'hui, il faut s'adapter à ce qui se passe dans le monde. Il faut s'adapter à la norme mondiale. C'est ça qui va nous permettre de nous en sortir. C'est ça qui va nous permettre de comprendre et de nous inscrire dans le sens de l'évolution positive. Il ne s'agit pas de dire ce qu'on est, mais on est ce qu'on est. Le pouvoir n'est pas fondamentalement lié à tes racines. Quand on dit notre conception du pouvoir, Toto aime dire ça. Moi, j'aimerais bien qu'il me dise politiquement c'était quoi notre conception du pouvoir et en quoi c'est différent des principes démocratiques d'une gouvernance. Oui, ou en quoi c'est différent de la conception du pouvoir en Europe ou ailleurs ou en Amérique. Mais pas du tout, c'est le même principe. Je suis désolé. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter de rêver et de vendre de l'illusion aux gens. Je pense que cette transition a été trop illusionniste. Elle a pris des voies sans issue. Elle a conduit le pouvoir. Maintenant, oui. Ta solution, puisque voilà. Tu es aujourd'hui, la solution, c'est ce qui est déjà, comment on appelle, la transition n'est plus seule sur le terrain. Vous avez d'autres acteurs qui ont aussi des demandes. C'est des partis politiques qui veulent des élections. C'est des associations qui veulent des élections. Il faut déjà que la transition crée les conditions d'écouter ces structures-là et ensemble dégager une solution. Moi, je pense que c'est ça qui est durable. Donc, il ne s'agit pas de s'asseoir pour dire il faut juste organiser les élections. Parce que tout le monde sait que le problème n'est pas réglé. Sur le plan sécuritaire, même si l'armée a été équipée, bien sûr, on les salue pour tout ça. Certains efforts ont été faits dans ce sens, mais la question fondamentale, elle est encore là. La sécurité n'est pas réglée. La question de l'accord n'est pas réglée. Donc, les véritables problèmes sont toujours là. Donc, voilà, il est important aujourd'hui parce que même le présent qui va venir, il trouvera ces questions-là devant lui. Donc, il est important qu'on trouve la solution avec l'ensemble de la classe politique, que le dialogue intermalien ne sert pas que ce que Assimi veut et Choguel, mais que ça sert à tous les Maliens. Mais indépendamment de cela, il faut instruire un dialogue politique. Maintenant, il faut se concerter. Est-ce qu'il faut un gouvernement d'union nationale? Ça a été demandé par certains, mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit être le cas. Maintenant, est-ce que Choguel peut piloter ça? Je ne le sais pas, parce qu'il s'est fait rejeter par l'essentiel de la classe politique. Alors,
pour aujourd'hui trouver une solution rapide, il faut déjà engager une concertation avec l'ensemble des forces vives. Et c'est à partir de là, on peut dégager une feuille de route qui sera respectée, je l'espère. Merci beaucoup. Aziz Santara, ta solution. Ok, moi, tu avais posé deux questions aux autres. Moi, c'est une seule. Bon, si tu veux, la question du dialogue intermalien, est-ce un parachute? Si tu as quelque chose de différent par rapport aux autres, vas-y. Mais la question, tu rentres dans la peau du président et tu nous fais sortir de cette situation-là où des gens demandent des élections, où des gens demandent la fin de la transition ou une transition civile. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, quel bâton de pèlerin tu prendrais pour solutionner tout ça? Ok, pour le dialogue intermalien, je vais juger sur les faits, parce que je me suis fait personnellement berner dans les assises nationales. Les assises, j'ai participé aux assises, on a fait des propositions. Dans les 17 propositions, les 13 ou les 17, je ne sais plus, il n'était pas question de parler de durée de la transition, mais c'est ce qui a été brandi à la CEDEAO. Ça, j'ai été très déçu par rapport à ça. Deuxième chose, c'est que les assises ont demandé de réduire les pouvoirs du président. C'est le contraire qu'on a vu dans la nouvelle constitution. Je vais me garder de commentaires, je vais juger à la pièce. Alors, si j'étais Assimi Goïta aujourd'hui, les Maliens aiment Assimi Goïta. Assimi a fait de bonnes choses. Il a rendu la fierté des Maliens et même de toute l'Afrique. C'est-à-dire qu'on avait besoin qu'un vent nouveau souffle sur notre continent, que l'Afrique se réveille enfin. On a les ressources, les premières ressources sous terre du monde. On a la première ressource de travail, les bras, les jeunes Africains. Les autres pays sont en train de manquer de bras, le Japon, l'Italie, le Canada. Nous, on a les jeunes. Donc, l'Afrique, c'est l'avenir. Il fallait des dirigeants visionnaires qui commencent à dire à ceux qui viennent nous piller, ça suffit, donnant, donnant. Donc, ils ont fait de bonnes choses. Ils ont récupéré notre Kidal. Ils sont en train de renforcer notre armée, même si le travail est immense. Il n'y a pas que du négatif, il y a de bonnes choses. Mais les Maliens aimaient aussi ATT, ils aimaient Ibeka, ils aimaient Moussa Traoré, ils aimaient Modibo. L'amour a ses limites. Elle est limitée par le dégoût que le peuple va rencontrer. Alors, moi, je dirais, si j'étais Assimi, ou si je pouvais entendre, la seule chose que j'ai à lui dire, c'est de prendre le peuple, le bonheur du peuple, le bonheur du Mali comme boussole. S'il fait ça, qu'il sache que le peuple malien est son patron. Il ne va pas se tromper. Deuxième chose sur trois, fuir les griots, entre guillemets. Les personnes qui disent qu'il est le plus fort, il est le plus grand, il est le plus beau, il est le plus... De fuir ces personnes-là. Et d'écouter des personnes qui n'ont pas peut-être la même idée que lui. Pas que ces personnes décident, c'est lui qui va décider, mais peut-être ça va lui faire penser à quelque chose à laquelle il n'avait pas pensé. Troisième et dernière chose, rassembler les Maliens. Les pour, les contre, les ni-ni, je ne sais pas où aller. C'est lui le président de la transition, c'est sa responsabilité de rassembler la famille malienne, quelle que soit l'opinion. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on a quelque chose en commun, c'est le Mali, et il faut préserver le Mali. C'est ces trois choses-là. Prendre le peuple comme boussole, fuir les griots et rassembler. Abana. Merci beaucoup, Aziz. Avant de nous séparer, j'aimerais quand même, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes, en fait, c'est très beau d'être panafricain. Ok, Touré, je viens. C'est très beau d'être panafricain, mais quand on est panafricain, chose qui vous donne le droit de vous exprimer sur le Mali et vous allez poser des questions sur le nom de l'un des débatteurs pour vous demander s'il est malien. Et s'il n'était pas malien, est-ce que ça lui enlève le droit de s'exprimer sur le Mali? En fait, il faut vraiment revoir votre perception de vous-même. Ça peut aider beaucoup à comprendre les autres. En fait, on ne peut pas monopoliser la parole, c'est fini ça. On ne peut pas nous interdire de faire ce débat-là. Il est hors de question. Et tout le monde est bienvenu dans ce débat. Mais il faut chercher à... Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous donnez des arguments contraires à ce qu'il dit. Mais juste parce qu'il est moche, juste parce qu'il n'a pas une tête de Malien, juste parce qu'il a un nom bizarre, alors que vous parlez de panafricanisme et vous critiquez d'autres Africains parce qu'ils résident en Europe. C'est un véritable paradoxe. Hein. Adama, je pense que je t'avais zappé par rapport à ta solution, mais vraiment en deux minutes pour qu'on termine avec l'émission.
si tu avais été Assimi Goïta ou si tu avais été celui à qui on demande la solution, qu'est-ce que tu proposerais pour sortir de... Merci beaucoup. Je m'efforce de respecter les deux minutes, même si j'ai envie de rebondir sur deux petites... On va y revenir, mais vraiment, il faut que... Oui, vraiment, en fait, je serai dans le clou. D'abord, Toto, il est parti. Il disait à un moment qu'au Sénégal, il y a plus de morts qu'au Mali, alors qu'il y a une démocratie au Sénégal. Mais si les manifestations étaient autorisées au Mali, avec la brutalité qu'on connaît de ce régime, vraiment, le nombre des morts serait sans commune mesure. Mais je ne vais pas parler non plus, je ne vais pas sans parler justement des bavures qu'il faut le dire, puisque c'est des Maliens qui sont tués. Notre armée fait des bavures avec des drones. On a dénoncé des drones en Afghanistan, en Irak, avec les Américains. On les dénonce aussi avec notre armée, pas plus tard que le 17 et le 24 de ces mois, il y a pas moins de 10-20 enfants maliens qui sont morts à Douna et dans une petite localité près de Gao. Donc, le nombre de prisonniers politiques au Mali, c'est énorme, c'est démentiel. On n'a pas ça au Sénégal. Maintenant, la Côte d'Ivoire, c'est aussi une forme de coup d'État électoral qu'on a. Donc, moi, je ne défends pas ça comme une démocratie. Maintenant, moi, si je suis Assimi Goïta, la première chose que je ferai d'abord, c'est de démissionner. De dire au peuple malien, OK, je ne suis pas le seul Malien, on est 20 millions. J'ai eu la chance inespérée dans ma vie de me retrouver à la tête de l'État. J'ai eu, soi-disant, un mandat pour un moment donné. Ce temps est dévolu. Je vous rends le pouvoir, quitte à ce que vous me réinvestissiez comme président ou que vous choisissiez quelqu'un d'autre. C'est ça d'abord la première dignité qu'on attend d'un homme. Voilà. C'est sucré, c'est bon, mais voilà. Le fadento, tu manges un moment, il faut quand même savoir que ce n'est pas pour toi. Ensuite, les propositions que je ferai, c'est d'abord qu'on ait très vite, dans les 6 mois, des législatives. Et les autorités de transition actuelles, ils étaient en théorie les mieux placés pour le faire parce qu'ils étaient censés être neutres, comme le prévoit la charte de transition, la neutralité des organes de transition. Mais eux là maintenant, ils ne sont plus neutres. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'ils sont crédibles à organiser des élections. Voilà le paradoxe. Je suis chef d'un parti politique, je n'ai pas confiance que ce soit ces gens-là qui organisent des élections, eu égard de leur comportement. Mais il nous faut une petite transition de 6 mois où on va organiser des élections législatives. Mais des législatives pour investir des députés pour une nouvelle transition de 5 ans. C'est ça. C'est des législatives, on va dire, constitutionnelles, c'est-à-dire pour désigner des constituants, pour former une nouvelle assemblée constituante. Comme ça, on repart après ces législatives, peut-être avec un gouvernement provisoire de 6 mois, neutre. On va faire des législatives et le peuple saura que nous allons désigner des gens qui vont refonder le Mali, qui vont réécrire la constitution du Mali et qui ont 3 à 5 ans pour le faire. Et c'est là qu'on peut faire venir le Diamant Atiki de Kita, qui, faute de ne pas parler français, ou le Diamant Atiki de Yangasso, faute de ne pas pouvoir parler français, n'est plus éligible dans les organes de l'État malien. Donc, lorsque Yamadou disait que parler français, anglais, chinois, c'est bien, mais il y a des gens qui sont disqualifiés de la chose publique du fait qu'ils ne parlent pas la langue française, malheureusement. Oui, il y en a. Il y a beaucoup de Maliens avec qui je discute. Dans mon parti, on a beaucoup de Maliens qui sont hyper compétents. Je veux parler ici de notre vice-président Ibrahima Diabaté, mais les Français, ce n'est pas,
Ce n'est pas sa référence. Il ne viendrait pas dans un débat comme ça. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Tu as des gens qui sont disqualifiés. Tu sais qu'on a un État francophone, Adama, centralisé, qui donne la parole à des gens de Bamako et des préférences qui parlent français. Donc, il y a ce problème. Mais de toute façon, lorsqu'il y a un processus de 3-5 ans pour refonder l'État malien, les gens comme vous... Il ne parlait pas français. Oui, mais c'est anecdotique, malheureusement. C'est anecdotique. Non, pas du tout. Tu ne parles pas français. Tu as beaucoup de mères aujourd'hui. Laissez Adama aller au bout. Laissez-moi terminer. Ce qui est sûr, c'est que il y a ce point. Pour moi, les respects, notre État n'est pas, entre guillemets, foutu de parler la langue de son peuple. C'est ça le problème. Ça, ce n'est pas un État moderne. Un État qui ne parle pas la langue de son peuple, qui n'administre pas le peuple par sa langue. Mais Adama, tu parles français, non ? C'est un État colonial. Donc, il y a une décolonisation à faire. Il y a aussi une déconcentration et une décentralisation de l'État à faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais favorable à l'accord d'Alger, puisque l'accord d'Alger prévoyait une forme d'autonomie des régions du Mali. Et voilà, mais après, quand on va avoir une transition civile, j'aurai peut-être des adversaires comme Bemba Yamadou pour discuter du bien fondé ou pas d'une décentralisation, d'une déconcentration, etc. Ça, on sera dans la dynamique politique, on sera dans la vitalité démocratique. Donc pour moi, je résume juste pour dire qu'il nous faut une nouvelle transition provisoire de 6 mois pour faire des législatives, sachant qu'on va élire des députés pour 3-5 ans, des députés pour former une assemblée constituante. Et ensuite, il faut qu'on ajoute à ce Parlement un Sénat coutumier où on va amener beaucoup de gens qui sont des dignitaires coutumiers, qui ne parlent pas français ou qui ne vont pas pouvoir travailler en français comme langue de travail. Ici. Tu parles français sinon. Depuis tout l'émission, tu parles français. Pardon ? Voilà, il faut qu'on conclue là. Il faut qu'on conclue. Je n'ai pas compris votre question, mais... C'est pas grave, moi, continue. Ici. Voilà, moi je conclue ici juste pour dire qu'on a besoin d'un chef, on a besoin d'un sénat coutumier, puisqu'il y a beaucoup de territoires que les Blancs ont annexés pour former notre pays, pour former la République d'aujourd'hui. Et ces territoires ont encore des institutions coutumières. Je veux parler ici de Dansa, je veux parler ici... des Yangasso, je veux parler ici de Kita. Ils ont encore des chefs coutumiers, des chefs d'État coutumiers, ils ont encore des chefs qui ont sous eux des chefs de village, des chefs de canton, etc. Et donc, pour qu'on ait un État moderne, un État qui nous ressemble, décolonisé, un État avec des institutions endogènes, il faut qu'on fasse un brassage de la modernité, de certains instruments de la modernité démocratique, comme la députation, avec les institutions coutumières, comme les sénats, mais avec un sénat coutumier, pas un sénat formé de groupes d'intérêt, de partis politiques, des syndicalistes ou de conseils en tout genre, mais uniquement des chefs d'État coutumiers. Et là, ces gens dont le territoire fait partie du Mali, eh bien, ils seront au Parlement représentés au même titre que le peuple. Il y en a 20 ou 25 dans le pays. Et là, on a 5 ans pour débattre, pour discuter, pour refonder notre État pour de bon. Mais en ce moment, on est dans l'impasse. Et je termine pour dire une chose que j'ai toujours aimé dire, que j'ai jamais eu l'occasion malheureusement de le dire, c'est que la prise de Kidal, c'est de l'enfumage. Vous verrez un peu plus tard. Et il y a aujourd'hui le président Assimi Goïta qui n'a rien à envier à des Alassane Ouattara et autres, puisqu'ils sont tous caporalisés par des puissances étrangères qui tracent leur destin et qui garantissent leur pouvoir. On va en Côte d'Ivoire avec les bases françaises qui garantissent le régime de Ouattara, bien qu'autoritaire. Au Mali aussi, on a Poutine qui garantit, qui parraine cette dictature en téléchargement au Mali. Voilà pourquoi il a trahi notre transition et refondation de notre État, qu'ils ont scandé à tout va,
Ils ont scandé Kourou Kanfouga à tout va pour nous plonger dans les oblasts russes avec un régime autoritaire qui a des prisons pleines de prisonniers politiques. Et puis, on a maintenant les Russes qui surveillent tout au Mali, qui contrôlent, qui cadenassent tout le Mali, qui contrôlent les télécommunications, qui contrôlent l'espace aérien, etc. Donc, franchement, tu critiques la transition, on n'est pas... Tu critiques la transition, tu as duré plus que la transition aussi. Pardon? Tu critiques la transition qu'ils ont durée, tu as duré, tu as dépassé tes 2 minutes aussi. Ah, je m'excuse. J'en ai terminé. J'en ai plus à dire, mais là, c'est bon, j'en ai terminé. Je m'excuse. Je vais m'excuser, cher panéliste, cher modérateur, cher auditeur. OK. Bon. Je pense que tout le monde est parti. Il reste que nous.